Bonjour à tous, dans une minute, il sera à 7h du matin. Vous regardez Bonjour Paris sur BFM Paris en ce mardi 24 mars. Évidemment, édition largement consacrée, vous le savez, au coronavirus, à ses conséquences concrètes sur notre vie en Ile-de-France. Et cette première information, ce qui change aujourd'hui pour vous dans notre région, en effet, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce lundi soir qu'il avait décidé de durcir, de préciser les règles de confinement dans l'espoir de ralentir cette propagation du Covid-19. Des mesures signées par Édouard Philippe par décret lundi soir et donc applicables dès ce mardi. On fait le point dans un instant. Confinement et l'économie au ralenti, forcément, en Ile-de-France. Ce sont les conséquences économiques de ce coronavirus et ces nombreuses entreprises franciliennes à l'arrêt. Mais d'autres, vous le verrez, peuvent toujours continuer leur activité. C'est notamment le cas de certains artisans, les plombiers, les électriciens, les garagistes. Ils ont surtout de nombreuses difficultés à s'approvisionner. On en parle dans Bonjour Paris. Et puis, en autre conséquence, vous le savez, ce sont ces répercussions du confinement chez vous et BFM Paris qui vous accompagne, qui reste à vos côtés. Nous vous appellerons comme chaque matin pour savoir comment vous vivez ce confinement à Paris et en Ile-de-France. Rendez-vous à retrouver dans un instant. La météo à Paris et en Ile-de-France pour ce mardi. Nous retrouvons Christophe Persson, comme hier. Le programme, c'est du soleil, mais de la fraîcheur. C'est une journée sans nuages qui s'annonce sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais toujours dans la fraîcheur avec un petit peu de vent qui rend une sensation froide pour cette journée. Alors à Paris intramuros, on relève 2 degrés au lever du jour, mais partout ailleurs, on a souvent des gelées avec des températures comprises entre 0 et moins 1. Cet après-midi, le ciel reste dégagé. On aura 12 pour Paris, 12 également pour Melun et 11 degrés à Provins. Bonjour à tous. Votre vie à Paris et en Ile-de-France a bien changé depuis le confinement imposé depuis le 17 mars. Eh bien, ce n'est pas fini. Nouvelles annonces du Premier ministre Édouard Philippe, c'était hier soir, et le renforcement attendu de ces mesures sanitaires, il a été confirmé. Parmi les nouvelles règles qui pour ralentir cette propagation du Covid-19, Édouard Philippe a annoncé la fermeture des marchés en plein air dès ce mardi. Des dérogations restent toutefois possibles dans certains cas. On voit cela avec Tiffaine Pocolandel. Marquage au sol, règles de sécurité affichées. Ici, dans le 15e arrondissement, tout était prêt pour accueillir les clients. Pourtant, ce matin, ce marché restera fermé. Je comprends pas. Ça sert à rien parce qu'il y a des traits par terre qui donnent une distance de sécurité d'1 mètre par chaque personne. Ça n'a aucun sens. Mais bon, s'ils décident ça, on peut rien faire. C'est comme ça. C'est une bonne chose. Ça aurait dû être fait avant. Pour la promiscuité, les gens ne respectent pas la distance de sécurité. Voilà, il y a des choses inadmissibles. Je comprends les commerçants qui vont perdre beaucoup, mais tout le monde perd beaucoup, donc la santé avant tout. Comme ici au marché de Barbès la semaine dernière, depuis le début du confinement, les images de foule se sont multipliées dans les marchés parisiens, à tel point que la mairie de Paris a réclamé hier leur fermeture. Une demande entendue par le Premier ministre. Nous sommes vraiment très satisfaits des annonces du Premier ministre. Nous ne demanderons pas de dérogation. Nous avons observé, malgré des moyens exceptionnels pour les sécuriser, etc., des promiscuités dangereuses pour la santé. Il n'est pas raisonnable d'exposer les commerçants eux-mêmes, les Parisiens, à un risque vital. Chaque ville peut demander une dérogation au préfet pour garder ses marchés ouverts. Une démarche que compte notamment entreprendre le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Plus de marché, Édouard Philippe a également annoncé que les activités sportives seraient plus strictement encadrées. On en parle avec Florian Chevalet, reporter BFM Paris sur les quais de Seine ce matin. Ces nouvelles restrictions concernent par exemple le jogging, cher au cœur de nombreux franciliens. Commençons tout d'abord, Fanny, par une bonne nouvelle pour les franciliens. Sortir, se dégourdir les jambes, et ce matin, toujours possible. Les règles sont par contre devenues plus strictes. Il est aujourd'hui possible de le faire seulement une fois par jour pendant 1 heure si vous êtes seul et dans un périmètre d'1 kilomètre autour de votre domicile. Pour le prouver, le papier justificatif est toujours indispensable, papier sur lequel devra être inscrit l'heure de sortie de votre domicile. Gare donc aux sportifs en herbe et aux joggeurs aguerris qui se font assez rares tout de même ce matin dans le cœur de la capitale. Il fait en même temps assez froid. On a tout de même rencontré Benoît. Il ne semble pas vraiment inquiet après les annonces du Premier ministre. Écoutez.
On peut faire des allers-retours de 200 mètres, du fractionné, il existe plein d'exercices. Donc moi je tourne autour de mon pâté de maison en évitant le plus de gens, j'appellerai les rues où il y a moins de personnes. Donc je passe systématiquement par des trajets qui me semblent le plus appropriés à des heures assez tardives pour rencontrer personne. On a tous compris qu'on avait une responsabilité collective par rapport à l'ensemble de la population. J'espère que tout le monde en aura conscience et l'appliquera tel quel. Attention à bien respecter ces nouvelles dispositions. Vos quelques foulées pourraient vous coûter cher. Une amende de 135 euros qui peut être majorée à 375, voire atteindre, en cas de récidive, 1500 euros. Mais Fanny, pour finir sur une note positive, je voulais vous montrer cette image du lever de soleil ici sur la Seine. Règne dans le cœur de la capitale ce matin un calme impressionnant, une ambiance très bucolique. Voilà pour les précisions de Florian Chevalet en ce qui concerne les activités physiques notamment. Et ce n'est pas une surprise hein, dans ces conditions. La durée même de la mesure de confinement va devoir être rallongée. Alors pas encore de date précise annoncée, mais tout de même quelques indices. Écoutez le Premier ministre à ce sujet. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de Français aimeraient pouvoir retrouver le temps d'avant, le temps normal. Mais il n'est pas pour demain. Et on sent bien que les mesures de confinement que nous avons prises et que nous allons encore durcir au sens où nous allons les préciser et veiller à ce qu'elles soient plus strictement observées, que ce temps du confinement est encore le nôtre et qu'il peut durer encore quelques semaines. Et autre annonce principale, en fait, par Édouard Philippe hier soir, celle concernant les couvre-feux. Il n'y en aura pas de national, mais ils pourront localement être appliqués sur des décisions des préfets, des maires. C'est déjà le cas dans une quarantaine de villes sur le territoire français. Nous en parlions hier, notamment dans la commune des Hauts-de-Seine de Colombes. D'autres communes de ce département francilien, comme Puteaux, Suresnes, Asnières, ont d'ores et déjà annoncé leur désir d'instaurer un couvre-feu. Cette question qui nous préoccupe chaque jour davantage, comment progresse le coronavirus dans notre région? Le dernier bilan de Santé publique France fait état de 19 615 cas confirmés en France métropolitaine, près de 3600 de plus que la veille. Et parmi eux, 6211 cas concernent l'Île-de-France, soit 928 nouveaux cas depuis la veille. Conséquence, l'inquiétude monte et avec elle, les demandes de tests de dépistage. Pour les réaliser rapidement et en toute sécurité, un drive médical a été mis en place dans de nombreux laboratoires. Les patients, uniquement des personnes, on le rappelle, à risque ou professionnels de la santé, restent en voiture pendant leur prélèvement. Exemple, vous allez voir dans les Hauts-de-Seine avec Nicolas Potier et Kelly Laffin. Comme chaque matin depuis jeudi, Caroline a le sentiment d'enfiler une tenue de combat. Bah c'est la guerre, quoi. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est devant son laboratoire, en pleine rue, qu'elle installe son matériel. Des tests pour le dépistage du coronavirus. Ce premier patient présente des symptômes graves. J'arrive pas à respirer et mon médecin directement il m'a pris rendez-vous. C'est bon, hein, c'est fini. Hein. C'est bon. L'opération ne dure que quelques secondes. Un coton-tige dans chaque narine, immédiatement isolé dans un récipient. Il va être analysé en quelques heures. Ce dépistage ne se fait qu'en voiture, pour limiter les contacts des biologistes avec les patients. Mais peu de tests sont disponibles. Seules les personnes à risque et les professionnels de santé sont autorisés à les faire s'ils présentent des symptômes. Une restriction frustrante pour certains. Moi, c'est pas que je veux pas vous faire le test. Si vous êtes dans les conditions, je vous le fais. Je demande à faire un test, on me dit non, on peut pas le faire. Est-ce que c'est normal? Voilà, je trouve ça, c'est un scandale. S'ils sont pas dans les critères, on ne peut pas les prendre. Alors après, on leur explique, soit ça passe très bien, ils le comprennent très bien et ils comprennent que c'est réservé aux cas graves. Soit ils ne comprennent pas et on peut se faire insulter. En amont, le standard doit faire le tri parmi des centaines d'appels. Il faut rester en confinement, voyez, parce qu'on n'a pas beaucoup de tests. Ce laboratoire pourra réaliser jusqu'à 30 tests par jour. Ceux qui ont déjà été analysés sont à 70% positifs au coronavirus. Les tests pour dépister le coronavirus et avant qu'un vaccin ne soit mis au point, cela pourrait encore prendre plusieurs mois. Les espoirs de certains malades, de certains médecins se portent vers une thérapie pour le moins controversée, la chloroquine. Le traitement est notamment testé à Marseille par le professeur Didier Raoult. Certains scientifiques, en revanche, réclament plus de tests avant une prescription. Des recommandations qui vont dans le sens de celles du Haut Conseil. Les précisions du ministre de la Santé, Olivier Véran. Le Haut Conseil recommande de ne pas utiliser ce traitement à l'exception de formes graves, hospitalières, sur décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte.
Enfin, le Haut Conseil exclut toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade, en l'absence, dit-il, de toute donnée probante. Comment éradiquer donc le Covid-19? C'est l'obsession des scientifiques, des médecins, des malades évidemment, parfois prêts à tout pour trouver un remède. Alors qu'en est-il concrètement de cette chloroquine? On en parle avec vous, Bruno Malène, en lien vidéo. Vous êtes président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France. La chloroquine, on vient de l'entendre, elle pose un vrai débat au sein du corpus scientifique aujourd'hui. Vous ressentez, vous, chez les pharmaciens, notamment une ruée vers cette anti-paludéen, on le rappelle? Oui, depuis la fin de la semaine dernière, effectivement, nous avons un certain nombre de demandes au comptoir. Et c'est la raison pour laquelle il était urgent que les autorités sanitaires nous donnent une ligne de conduite pour savoir ce que l'on devait faire devant ces prescriptions et ces demandes de chloroquine au comptoir. Tout à fait. Alors combien de demandes par jour ça concerne, par exemple? Est-ce que vous avez réussi à les chiffrer déjà? Alors, depuis, en fin de semaine dernière, on avait peut-être 4-5 appels dans la journée. C'est en croissance depuis hier. Hein. C'est mm-hmm. vraiment plusieurs dizaines de demandes et d'interrogations au sujet de la chloroquine. Alors, autre denrée très recherchée également, et ce depuis un peu plus longtemps maintenant, évidemment, ce sont les masques. Êtes-vous en mesure aujourd'hui d'approvisionner surtout les personnels de santé, les personnels médicaux en masques? Non, les masques sont toujours extrêmement difficiles à obtenir. Nous attendons la dotation que le ministre de la Santé a promis avant-hier. Mais là, aujourd'hui, nous n'avons plus de masques à distribuer. Les deux premières dotations qui ont été attribuées sont déjà distribuées auprès des professionnels de santé. Donc là, nous attendons avec impatience une nouvelle dotation. Parce que vous rappelez la règle, hein, peut-être pour le grand public qui vient aussi, je suppose, oui. vous réclamer ces masques en pharmacie, ce n'est pas à eux qu'on doit les fournir en priorité, hein. Voire pas du voilà, tout. Les masques qui sont distribués en pharmacie sont à destination exclusivement des professionnels de santé. Nous avons eu la semaine dernière donc, des consignes de distribution. Pour les infirmiers, pour les médecins, on distribue 18 masques par professionnel, donc ce qui correspond à 3 masques par jour pour 6 jours. Et ensuite, selon les catégories, comme les sages-femmes ou les masseurs-kinésithérapeutes, ce sont 6 masques à distribuer pour 6 jours. Mmh. Mais en aucun cas, les masques sont à destination des patients. Donc nous faisons face aussi à des prescriptions de masques. Malheureusement, nous ne pouvons distribuer les masques aux patients qui parfois ont du mal à le comprendre, puisqu'ils ont fait l'objet de consignes par téléphone. Donc le médecin leur a dit de se présenter à la pharmacie. Mais les masques, pour le moment, ouais. sont exclusivement pour les professionnels de santé. On le rappelle. En tout cas, il y a bien un produit pour lequel le grand public se rue dans les pharmacies, et ce, depuis des semaines. C'est notamment mon cas. J'ai énormément de mal, encore aujourd'hui, à trouver du gel hydroalcoolique. Quelle est la situation aujourd'hui? Pourquoi on en est toujours en pénurie? Alors, on a bien sûr eu des demandes inhabituelles depuis quelques semaines en gel hydroalcoolique. On commence à recevoir quelques dotations de gel hydroalcoolique. Maintenant, les pharmaciens ont aussi la possibilité de fabriquer des solutions hydroalcooliques. Alors, on a encore quelques difficultés pour obtenir la matière première, mais on peut tout de même trouver quelques alternatives avec ces solutions que les pharmaciens peuvent fabriquer. Donc ça c'est. Mais là, je le rappelle, hein, le lavage des mains avec de l'eau et du savon en cas de rupture de gel hydroalcoolique reste la mesure barrière efficace sans aucune difficulté, puisqu'on est quand même dans une phase de confinement, je le rappelle. Donc la plupart des Français sont chez eux. Donc de l'eau, du savon et de l'eau chaude, ça, une vingtaine de secondes, ce sera tout aussi efficace que le gel hydroalcoolique qui reste une alternative quand on est à l'extérieur, qu'on n'a pas de point d'eau. Évidemment, comme vous l'avez dit, quand on est confiné chez soi, c'est beaucoup plus simple. Merci Bruno Malène d'être intervenu sur notre plateau ce matin. Vous êtes président, Merci. Je le rappelle, du Conseil de l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France. Le coronavirus, justement, dans notre région et ses conséquences très concrètes sur notre vie quotidienne, par exemple, notre approvisionnement en fruits et légumes. Avec la maladie, les marchés ferment, vous l'avez vu, mais les agriculteurs manquent aussi de plus en plus cruellement de main-d'œuvre. Déjà rare en temps normal, ces travailleurs étrangers, surtout, ne peuvent plus venir pour prêter main forte. Une situation qui inquiète dans notre région. Clémence Renard, Alexis Elisabeth avec Jean-Baptiste Gradienne. Audrey doit se faire une raison.
Elle a 2000 plants de radis en trop. Elle va devoir les jeter à la poubelle. Nous avons la quantité disponible pour faire notre vente à la ferme. Mais les marchés, vu qu'on a arrêté, c'est du trop. Donc ça va être retourné et ça ne sera pas vendu. Si elle ne fait plus que de la vente sur place, c'est à cause d'un manque cruel de main-d'œuvre. Habituellement, 7 salariés sont présents sur l'exploitation. Depuis le confinement, ils ne sont plus que 2. Au final, les journées sont longues et fatigantes. 10 heures de travail, 6 jours sur 7, sans pour autant récolter les fruits de ce dur labeur. Nous avons décidé d'arrêter 4 points de vente, mais le travail est beaucoup plus intensif qu'en temps normal. On se demande comment on va s'en sortir. Il ne va pas falloir que ça dure des mois et des mois. Les agriculteurs doivent aussi faire le travail des saisonniers, car ces derniers viennent majoritairement de Pologne ou encore du Portugal. Ils demandent à l'État de très vite trouver des solutions, car le pire est à venir. Si on n'a pas de main-d'œuvre, nous n'allons déjà pas pouvoir récolter nos produits, le peu que l'on a, et également vendre, du moins produire pour la saison prochaine. On est au début, j'irais, d'une vague, mais la vague va être bien plus haute que ça. Là, on est vraiment aux prémices. Plusieurs syndicats demandent par exemple une autorisation pour les élèves et étudiants des établissements agricoles qui le souhaitent de venir travailler de façon occasionnelle dans les exploitations. Et pour s'adapter à cette crise sanitaire, un autre service de votre vie habituelle est contraint de réduire son fonctionnement, la Poste. Moins de tournées, moins de services non essentiels. La Poste décide de moins exposer en effet ses employés au coronavirus, dont certains ont exprimé d'ailleurs leurs craintes par voie syndicale. C'était vendredi dernier. Il vous est par conséquent demandé de vous concentrer, je cite, sur vos commandes et vos envois les plus strictement nécessaires. Marguerite Dumont, on te retrouve aujourd'hui pour parler de cette situation sanitaire un peu particulière dans notre région. Le Parlement a définitivement adopté dimanche soir des mesures instaurant un état sanitaire d'urgence, 2 mois, avec des mesures d'urgence économique pour les salariés notamment. C'est l'heure du Paris Scan avec toi. Alors comment ça va se matérialiser concrètement pour les Franciliens ? Alors déjà Fanny, il y a une interrogation concernant ces jours de congé que l'on pourra vous imposer. On va essayer de démêler tout ça ensemble. Déjà, leur nombre est limité. 6 jours maximum que votre employeur pourra vous employer et uniquement ceux que vous devez poser avant le 31 mai prochain. Vous n'aurez pas à poser ces jours par anticipation. Ce qui change, c'est que votre employeur ne sera pas tenu de respecter le délai de prévenance d'un mois. Il pourra vous prévenir un peu à la dernière minute, hein, finalement, de poser ces 6 jours. Mais cependant, il y a quand même des garde-fous. Cette décision ne pourra être prise qu'après un accord d'entreprise ou de branche avec les syndicats. À noter tout de même que ces dispositions que je viens de vous citer pour les congés payés, elles ne valent pas pour les RTT ou les jours de repos affectés sur les comptes épargne-temps. Ils pourront être imposés ou modifiés unilatéralement par le patron, sans accord et sans préavis. L'objectif de ces mesures, évidemment, trouver une alternative au chômage partiel et mobiliser le maximum de salariés quand l'économie repartira. On va regarder ensemble un autre geste envers les syndicats validé par le Parlement ce dimanche. Les jours de carence en cas d'arrêt maladie, ils disparaissent temporairement. Cette disposition, elle est désormais élargie à tous les arrêts maladie classiques dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous serez payé dès le premier jour de votre arrêt maladie. Et puis Marguerite, hier, le Premier ministre a également précisé un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne le chômage partiel. Le système le plus généreux d'Europe, selon Édouard Philippe. Le recours au chômage partiel sera bien évidemment simplifié. On en avait déjà parlé. Il est destiné à toutes les entreprises et salariés, y compris ceux en forfait jour. Il permet aux entreprises, aux salariés, de garder leur rémunération et aux entreprises de ne pas licencier. Cela fait partie des ordonnances, des multiples ordonnances présentée ce mercredi en Conseil des ministres. On peut également citer ce fonds d'aide aux indépendants et petites entreprises. Pour aller un peu dans le détail, il est taillé pour 2 mois. Il permettra le versement d'une indemnité de 1 500 € à toute entreprise de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires qui évidemment a fermé ou dont le revenu a baissé d'au moins 70%. Donc, d'autres dispositions seront aussi prises par voie d'ordonnance concernant le soutien à la trésorerie des entreprises ou encore
encore les délais accordés pour reporter ou étaler le paiement des loyers, des factures d'eau et d'électricité pour que justement nos entreprises arrivent à s'en sortir. Enfin, pour terminer, dernier point, pour les demandeurs d'emploi, les intermittents, les bénéficiaires de minima sociaux, ça Édouard Philippe l'a confirmé, les droits seront prolongés jusqu'à la fin de la crise sanitaire, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Merci pour ces précisions Marguerite Dumont, donc sur ce fameux état d'urgence sanitaire. Dans un instant, la suite de l'actualité à Paris et en Ile-de-France, mais avant cela, faisons un point sur la météo de ce mardi avec Christophe Persson, comme hier, du soleil mais de la fraîcheur. Captain vous présente la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Regardez le type de temps qui nous attend aujourd'hui. Une nouvelle fois, un ciel bleu, un ciel dégagé, sans nuages, mais toujours avec ce petit vent, cette bise qui continuera de souffler et qui donne par moments un ressenti un petit peu glacial. Surtout ce matin avec le ciel dégagé, mais les températures souvent négatives sur bon nombre de villes. 0 degré pour Mantes, moins 1 pour Rambouillet, Étampes, Melun, Meaux, Provins ou encore Fontainebleau avec en plus ce petit vent. Et du côté de la capitale et pour Paris intramuros, finalement, on retrouve une température positive, 2 degrés au lever du jour. Et cet après-midi, on retrouve encore notre ciel dégagé, toujours avec ce petit vent désagréable, avec des températures un tout petit peu en baisse par rapport à hier. On perd 1 degré. On aura 12 pour Paris, 13 pour Mantes-la-Jolie, c'est le maximum sur la région. 12 degrés sur bon nombre de villes et le minimum sera du côté de Provins avec une température de 11 degrés. Pour ce mardi 24 mars, nous fêtons les Catherines. On gagne tout de même 4 minutes de soleil et ce soir, le soleil se couchera à Paris à 19h10. Lors des prochains jours, on retrouvera dans un premier temps toujours ce ciel dégagé avec encore un petit peu de vent, avec encore des températures un petit peu faibles pour la saison. Au lever du jour, demain à Paris, 1 degré. Autant dire que pour le reste de la région, les températures seront bien négatives, moins 2, moins 3 degrés. C'est à peu près le même type de temps jeudi. Les nuages commenceront à arriver lors de la journée de vendredi avec une petite hausse du point de vue du thermomètre. On aura vendredi 14 degrés. Ça reste temporaire puisque les températures rebaissent pour le week-end et à partir de dimanche et en début de semaine prochaine, on aura à nouveau des précipitations sous forme d'averses avec des températures de 3-4 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Captain vous a présenté la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. 7h21 dans Bonjour Paris. Merci de votre fidélité. Vous le savez, au quotidien, BFM Paris vous accompagne encore plus que d'habitude en cette période de coronavirus. Il est temps de prendre de vos nouvelles, justement, avec notre rendez-vous quotidien, Ma vie confinée. En lien vidéo ce matin avec nous, Guillaume Ravelosson. Bonjour. Vous habitez Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Vous avez 22 ans. Vous êtes confiné avec vos parents, votre frère et votre sœur. Alors, nous sommes entrés dans la deuxième semaine de confinement. Comment est-ce que vous vivez ces restrictions? Alors, un petit problème de connexion, peut-être qu'on va la retrouver dans quelques secondes avec Guillaume Ravelosson depuis Clamart. Pourtant, c'est pas très loin, mais bon, visiblement, la connexion... Vous m'entendez? Oui, allô? Oui. Oui, comment se passe cette deuxième semaine de confinement avec votre famille, je le disais, à Clamart, donc depuis une semaine maintenant? Comment est-ce que ça se passe? Comment vous vivez ces restrictions? Ça se passe assez bien. Les restrictions, c'est fait pour être respectées. Ensuite, tout se passe bien. Je vois ma famille plus régulièrement que d'habitude. Mais tout se passe bien. On essaie de s'adapter aux circonstances et voilà. Alors ça, c'est pour la vie dans votre foyer. À côté de ça, vous êtes étudiant en STAPS. Comment est-ce que vous continuez de suivre vos cours, de préparer vos examens notamment? Là, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas reçu de directive spécifique. Pour l'instant. Vous recevez des cours tout de même, par distance? Voilà, comment? Vous recevez des cours à distance? Je vais en recevoir la semaine prochaine, du coup. J'ai reçu un mail hier de ma prof. Je vais recevoir des cours la semaine prochaine. Et du coup, là, en attendant, j'essaie de relire au maximum mes cours pour me préparer pour mes examens. D'accord. Et pour payer vos études, à côté de cela, vous avez un petit boulot. Vous travaillez dans une station-service. Est-ce que vous continuez cette activité malgré le coronavirus et dans quelles conditions? Je la continue le week-end et franchement les conditions elles sont bonnes. Mon patron il me met dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'il me met tout le matériel possible pour que je sois en sécurité, c'est-à-dire gel hydroalcoolique, gants en latex et masque. Et du coup on a une distance de sécurité avec les clients
Donc il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Et du coup, tout se passe très bien à mon travail. Bon, bah c'est bien. En tout cas, ça fait plaisir de voir que non seulement vous respectez les consignes de sécurité en vous confinant chez vous avec votre famille, mais qu'également au travail, vous avez toutes les conditions favorables pour continuer de gagner votre vie d'étudiant. Merci Guillaume Raveloson d'avoir été en contact avec nous ce matin. Je le rappelle, vous habitez Clamart dans les Hauts-de-Seine. Restez avec nous sur BFM Paris. Tout de suite, votre plein d'œil. Et c'est donc votre clin d'œil quotidien. Vous le savez, on va faire le tour des réseaux sociaux pour savoir ce qu'il s'est dit sur la situation de coronavirus, forcément qui nous inquiète à Paris et en Ile-de-France. Et forcément, aujourd'hui, eh bien, on va aborder le cas du confinement. Il a été durci, il va être probablement prolongé. Mais un confinement intelligent, c'est ce qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui avec ces quatre publications sélectionnées à la rédaction. On commence sur LinkedIn, le réseau social professionnel. Avec, vous allez voir, la télé-école, on pourrait dire. Il y a le télétravail, il y a aussi l'école à domicile. Regardez ces bachoteurs un peu spéciaux, ce sont des jeunes du PSG. Top départ, dit-on dans cette publication, de cette deuxième semaine de cours à la maison pour nos jeunes du centre de formation et de préformation. Connectés 4 heures par jour avec nos éducateurs, nos jeunes suivent assidûment leur classe virtuelle. Fiers de nos jeunes et merci aux parents pour leur soutien. Hashtag PSG, hashtag ici c'est Paris. Ça reste la base évidemment dans toutes les publications du PSG. Mais voilà, en tout cas, ça nous fait plaisir de voir ces petits jeunes. Et puis moi, personnellement, ça me laisse un peu nostalgique parce que je revois qu'après toutes ces années, ces décennies, on pourrait même dire, on voit toujours ces petites feuilles à carreaux et puis ces trousses taguées au blanco qui restent un petit peu la marque de fabrique du collège et du lycée. Et voilà, certaines choses ne changent pas, en tout cas, dans la vie des jeunes étudiants. On leur souhaite en tout cas bien du courage à ces futures stars qui sait du football, qui ont l'air de continuer à bien, en tout cas, entretenir leur muscle cérébral aussi. On poursuit notre clin d'œil du jour avec Twitter pour voir comment on profite du confinement, par exemple, pour apprendre un métier et pourquoi pas le journalisme. Regardez cette publication d'Erwan qui se présente sur Twitter comme un journaliste confiné de 7 ans et demi. Il habite dans le 14e. Voici cette publication. Voici le journal de dimanche, spécial cuisine, car on a du temps en ce moment. Alors bon appétit à tout le monde et restez chez vous. C'est donc, vous le voyez, le numéro 6 de cette publication qui a commencé à paraître depuis le 20 mars dernier. Et puis on y retrouve, voilà, une petite trame assez classique, un petit édito ici en forme de présentation de la recette du jour, qui est donc une pizza avec l'illustration de cette pizza et les principaux ingrédients, la définition de ce qu'est une pizza, et puis en bas un petit jeu, un petit labyrinthe en forme de pizza, comment retrouver sa pizza à partir de ce labyrinthe. Voilà ce qui a été élaboré par un enfant de 7 ans et demi pendant cette période de confinement. C'est très mignon et c'est très intelligent. Regardez régulièrement ce compte Erwan, vous verrez le journal avec CH, eh bien tout ce qu'il crée tous les jours au quotidien, c'est assez intéressant. On poursuit sur Instagram avec cette occupation en confinement, pour beaucoup d'entre vous, c'est la cuisine. On se rabat tous sur la nourriture, finalement. Et regardez cette star, vous le connaissez, c'est Boudère, le comédien, l'humoriste parisien. Lui, il est confiné avec son fils et il en profite, vous allez voir, pour entreprendre un mix de cuisine et d'éducation. Ça ressemble à ça. On va faire notre goûter tout seul, d'accord? On va cuisiner. Je vais te faire un goûter. T'as jamais mangé ça de ta vie. Qu'est-ce que tu veux manger au goûter? Un 4/4. Un 4/4? Ouais. Alors là, avec le livre de recettes, normalement, ça doit aller. Voilà, un 4/4. Un 4/4. Prenez un tiers de... Non, mais laisse tomber, il y a des fractions. Je vais galérer, moi. Je vais galérer. Je vais en faire un autre truc. Le 4/4, forcément, la recette par excellence qui vous remet dans les fractions. Et Boudère a l'air de galérer avec ça, mais ça permet de réviser certaines notions de mathématiques avec ses enfants. Une bonne solution, en tout cas. Sur Facebook, à présent, pour terminer ce clin d'œil du jour, les futures stars de la musique révélées, qui sait, par ce confinement. C'est en tout cas ce que prévaut ce groupe Facebook, qui est appelé Compilation de confinement. Il a été créé par Permafrost. Alors voilà ce qu'il précise. Amis Zikos, vous qui luttez contre l'ennui en créant frénétiquement, envoyez-nous vos morceaux faits depuis le début du confinement sur permafrost@gmail.com. Alors, en quoi ça consiste? On va entendre l'un de ces morceaux. Eh bien, il vous suffit d'envoyer vos créations dans les styles qui sont recommandés. En général, c'est du rock, de l'électro, de la pop, et qui, vous allez l'entendre peut-être derrière vous, eh bien, vont peut-être vous permettre, eh bien, de faire partie de cette compilation qui va être créée au fur et à mesure de l'envoi de vos musiques pour, eh bien, les diffuser et, qui sait, peut-être décrocher un label à la clé. Vous aussi, n'hésitez pas à nous faire part, si vous le voulez, de vos publications pour faire partie du clin d'œil de Bonjour Paris. À bientôt.
Paris. Tout de suite, restez avec nous, évidemment. Bonjour Paris revient dans un instant. Nous serons notamment sur les changements concrets sur votre Île-de-France à la suite de ce durcissement du confinement annoncé hier par le Premier ministre. A tout de suite. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez un mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Allianz, votre partenaire Audi vous présente... La vie se conjugue au présent. Les enfants arrivent parfois avant le mariage et on se marie avant d'avoir trouvé la maison parfaite. La maison parfaite arrive parfois avant la voiture de vos rêves. Non, pas celle-ci. Celle-là. Faut-il attendre le bon moment ? Non. C'est toujours le bon moment. Votre partenaire Audi Allianz, 6 adresses à Paris et en Île-de-France. Plus d'infos sur allianz.com. Des trésors dorment chez vous. La bijouterie Jacques Copti évalue et rachète vos bijoux de marque et de toutes époques. Agréée par la Chambre européenne des experts conseils en horlogerie et bijouterie, vous avez l'assurance d'un rachat au meilleur prix et au comptant. Bijouterie Jacques Copti, rue de Passy, Paris 16e. Nous sommes au Dream. Quand tu parles football, il y a Dream dedans. Okay, je pense qu'on s'ennuierait sans les dribbleurs. Nous sommes les dribbleurs. Dribbleur, le film, jeudi à 21h dans Transversal sur RMC Sport 1. Abonnez-vous sur rmcsport.tv. You don't need magic spells to learn foreign languages. All you need is the right teacher. You have the potential. Always had it. Remember that you're a f***ing champion. Get on board! Join the group! So that one day you will be ready to say, yes, I do speak English. Avec Kyoze, apprenez gratuitement les langues grâce à vos films et séries préférées. Et voilà! Bonjour à tous, il est 7h30. Merci de votre fidélité à Bonjour Paris. Au sommaire, aujourd'hui évidemment, nous parlons confinement et ce qui change concrètement pour vous dès aujourd'hui. En effet, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé lundi soir qu'il avait décidé de durcir, de préciser les règles du confinement dans l'espoir évidemment de ralentir la propagation du Covid-19. Des mesures signées par le Premier ministre par décret lundi soir et donc applicables dès ce mardi matin. On fait le point sur ces circonstances dans un instant. L'économie au ralenti en Île-de-France également dans ces conditions. Ce sont les conséquences du coronavirus. Ces nombreuses entreprises, notamment en Île-de-France, qui sont à l'arrêt. Mais vous allez le voir dans un autre temps, d'autres peuvent toujours continuer leur activité. C'est le cas des artisans, les plombiers, les électriciens, les garagistes, qui sont tout de même confrontés à certaines difficultés d'approvisionnement. On en parle dans Bonjour Paris. Et puis au quotidien, BFM Paris à vos côtés, nous vous appelons chaque jour, vous le savez, pour savoir comment vous vivez le confinement au quotidien à Paris et en Île-de-France. Rendez-vous à retrouver dans un instant. La météo à Paris et en Île-de-France pour ce mardi. Tout d'abord, nous retrouvons Christophe Persson et comme hier, le programme c'est du soleil mais de la fraîcheur. C'est une journée sans nuages qui s'annonce sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais toujours dans la fraîcheur, avec un petit peu de vent qui rend une sensation froide pour cette journée. Alors, à Paris intramuros, on relève 2 degrés au lever du jour, mais partout ailleurs, on a souvent des gelées avec des températures comprises entre 0 et moins 1. Cet après-midi, le ciel reste dégagé. On aura 12 pour Paris, 12 également pour Melun et 11 degrés à Provins.
Édition spéciale coronavirus de Bonjour Paris, évidemment. Votre vie à Paris, en Ile-de-France, a bien changé depuis le début du confinement imposé le 17 mars. Eh bien, ce n'est pas fini. Nouvelles annonces du Premier ministre hier soir et le renforcement des mesures sanitaires enfin confirmées. Parmi les nouvelles règles pour ralentir la propagation du Covid-19, Édouard Philippe a notamment annoncé la fermeture des marchés de plein air dès ce mardi. Des dérogations restent toutefois possibles dans certains cas, dans certaines communes. Mais la ville de Paris a, elle, fait savoir qu'elle ne demanderait pas une dérogation. Ashley Chevalier, vous êtes sur un marché du 15e arrondissement de Paris. Comment ça se passe ce matin ? Mais écoutez, ce matin, il n'y a rien. Il ne reste que ces structures métalliques et ce sera comme ça jusqu'à nouvel ordre. Ces marchés, c'était le dernier lieu de vie. Dans les centres-villes, ils avaient essayé de s'adapter ces derniers jours avec des marquages au sol. Certains avaient essayé de mettre du cellophane autour de leurs étals. Insuffisant pour le gouvernement dans un marché à ciel ouvert. C'est impossible de filtrer les entrées. Ce matin, les commerçants sont désemparés. Écoutez le représentant de l'un d'entre eux. C'est la désolation, parce que moi-même je suis sur un marché, je devrais être à cette heure-ci à Saint-Germain-en-Laye pour déballer. L'interdiction, comment nous allons faire pour nourrir les Français et les Françaises, sachant qu'aussi que nous on a des producteurs français sur tout le territoire, où les gens sont en production, on rentre en production, et aujourd'hui on ne peut plus vendre nos produits. Rien que pour l'Île-de-France, ce sont 200 producteurs de fruits et légumes qui se retrouvent sur le carreau. Ils n'ont aucun moyen d'écouler leurs marchandises désormais. C'est ce qu'ils nous disent. Ils réfléchissent à des solutions, par exemple de la livraison à domicile. Sachez également que pour certaines communes où le marché est le seul endroit où on peut acheter des produits frais, il y aura des dérogations. À Paris, ce ne sera pas le cas. On part du principe qu'il y a une supérette, un supermarché à chaque coin de rue. Haché Chevalier dans le sud de Paris. Plus de marché et Édouard Philippe qui a également annoncé que les activités sportives seraient plus strictement encadrées. Il ne sera désormais possible de sortir pour faire du sport ou pour promener ses enfants que dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi, seul et pour une durée maximum d'une heure. Conséquence, il faudra bien préciser sur votre attestation de déplacement non seulement la date de votre sortie mais aussi maintenant son heure. Ces nouvelles restrictions concernent par exemple le jogging, cher au cœur de nombreux franciliens justement. On en écoute certains. En réalité, vous voyez là, il est super tôt et moi je croise personne. Et on dit qu'il faut 15 minutes de contact avec quelqu'un de contaminé. Or là, c'est quelques millièmes de seconde. Donc je ne comprends pas la pertinence en fait. Mais là, du coup, Edouard Philippe, je trouve que c'est très bien parce que ça va permettre de réguler les choses. Et aussi, un kilomètre du domicile, c'est bien. Ce n'est pas une surprise. Dans ces conditions, la durée même de la mesure de confinement va devoir être rallongée. Pas de date précise encore annoncée par Édouard Philippe, mais tout de même quelques indices. Écoutez le Premier ministre à ce sujet. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de Français aimeraient pouvoir retrouver le temps d'avant, le temps normal. Mais il n'est pas pour demain. Et on sent bien que les mesures de confinement que nous avons prises et que nous allons encore durcir au sens où nous allons les préciser et veiller à ce qu'elles soient plus strictement observées, que ce temps du confinement est encore le nôtre et qu'il peut durer encore quelques semaines. Et autre annonce principale faite par Édouard Philippe hier soir, celle concernant les couvre-feux. Il n'y en aura pas de national, mais ils pourront localement être appliqués sur décision des préfets ou encore des maires. C'est déjà le cas dans une quarantaine de villes, comme Colombes notamment. On en a parlé hier dans les Hauts-de-Seine. En Ile-de-France, d'autres communes de ce département, comme Puteaux, comme Suresnes, comme Asnières, ont d'ores et déjà annoncé leur désir d'instaurer un couvre-feu. Le coronavirus qui contraint les Parisiens et les Franciliens à rester chez eux. Et cette triste conséquence, redoutée par certains, que ce contexte ne favorise les violences conjugales ou sur les enfants. Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves, a d'ailleurs confirmé dimanche avoir énormément reçu de remontées de violences conjugales depuis le début du confinement. En cause, selon lui, la promiscuité. Alors certaines anciennes victimes et associations tirent la sonnette d'alarme. On voit cela dans ce reportage de Maxime Brandstetter. Virginie est une ancienne victime de violences conjugales. Aujourd'hui, elle vit le confinement calmement avec ses deux enfants. Mais il y a encore 2 ans, cette situation aurait été un enfer pour elle. J'ai pensé justement la semaine dernière, aux périodes où on habitait avec leur père. Si on avait été avec lui, sous le même toit, dans des moments comme ça, ça aurait été vraiment abominable. Du fait qu'on se retrouve virtuellement, j'allais dire, dans une prison.
sur une longue durée. Donc la personne violente peut en profiter parce qu'elle a le temps et la victime à disposition. Françoise Brié de la Fédération Nationale Solidarité Femmes connaît bien le sujet des violences conjugales. Elle sait aussi que certaines circonstances les favorisent. Le confinement oblige les femmes à rester avec leur agresseur. On peut en tous les cas penser qu'il va y avoir des crises de violence de toute façon dans cette période de confinement. La crise engendre des tensions, des peurs. Ces tensions et ces peurs ne peuvent qu'engendrer une montée des violences. En cas de violence, la Fédération Nationale Solidarité Femmes recommande aux victimes de fuir le domicile et d'appeler le 3919, numéro qui est maintenu pendant cette épidémie. La violence au sein du foyer augmente-t-elle en période de confinement? On en parle avec vous, Rocco Contento. Bonjour, vous êtes en lien vidéo. Vous êtes secrétaire départemental SGP Police 75. On parle donc de cette hausse des violences conjugales. Vous êtes d'accord avec cette crainte? Est-ce que c'est déjà, par exemple, un constat? Non, pour l'instant, c'est bien trop tôt. Nous n'avons pas de statistiques concernant ce que vous dites. Donc, les gens sont confinés, les époux, et les femmes et les maris sont ensemble beaucoup plus souvent. Mais bon, je n'irai pas faire de statistiques ou d'en tirer des conclusions. Alors, sans parler de chiffres, évidemment, pour l'instant, il est peut-être encore tôt. Est-ce que, en tout cas, cette considération, vous l'avez en tête au sein des forces de police? Non, il y a des considérations beaucoup plus importantes que celles-ci, je suis désolé, notamment les risques de contamination de nos collègues qui interviennent sur le bas public lors des contrôles, les interventions et les contrôles notamment pour vérifier que les personnes sont bien confinées dans ce pays. Je pense que voilà, notre lutte prioritaire, elle est là pour le moment. Donc la santé prioritaire sur les violences conjugales, on vous a entendu. En tout cas, vous abordez cette thématique. Vous étiez hier en visioconférence, je crois, avec l'hôtel Beauvau en réunion, justement pour parler de cette situation des forces de l'ordre sur le terrain qui doivent contrôler ces attestations de sortie de la population. Qu'en est-il ressorti de cette réunion? Oui, alors cette réunion en visioconférence avec le secrétaire d'État, M. Dinès, n'avait pour but unique que d'expliquer les risques de contamination des collègues qui interviennent sur la voie publique. Alors, nous avons été entendus, et c'est heureux, par rapport au port du masque systématique des collègues qui contrôlent sur la voie publique, puisque nous ne voulons pas être des vecteurs de propagation du Covid-19. D'ailleurs, tous les scientifiques et les épidémiologistes le disent. Le problème, la problématique, c'est que le ministre nous dit que nous avons demandé des masques. Nous ne sommes pas prioritaires dans l'attribution des masques, puisque d'abord, c'est le personnel soignant qui va être servi. Et dans le temps, nous n'avons aucune perspective, parce que vous savez comme moi que la production de masques, nous sommes beaucoup en retard et nous ne saurons pas quand est-ce que nous aurons l'attribution de masques. Nous avons quelques stocks de masques, mais qui fondent comme neige au soleil. Mm-hmm. Et il est important pour mes collègues que d'être équipés du port du masque pour contrôler sur la voie publique. Je rappelle qu'un contrôle peut ensuite dégénérer. On peut parfois relever une infraction, ça peut finir en outrage, en rébellion, et beaucoup de personnes sont réfractaires au confinement. Nous avons depuis mardi dernier relevé 91 000 verbalisations, ce qui n'est pas banal. Alors, dans ces conditions-là, hein, puisque le contrôle a déjà commencé, malgré tout, malgré le fait que vous manquiez de masques, comment est-ce que justement les policiers procèdent? Comment ils se débrouillent? Eh bien, par exemple, lors des présentations d'attestation, nous ne touchons pas les documents à la main. Nous demandons à la personne de nous les montrer. Nous évitons, nous appliquons les gestes barrières le plus possible, à savoir rester un mètre des personnes. Nous avons un peu de masque, donc c'est le fonctionnaire qui va au contrôle, qui porte le masque. S'il y a des interpellations, évidemment, le collègue portera un masque aussi. Donc nous essayons de nous protéger aussi le plus possible. Je vous rappelle que nous avons à ce jour 5000 collègues sur le territoire national confinés à leur domicile avec des suspicions de Covid-19. Nous avons des personnels qui sont atteints, notamment à Paris, plus de 650 qui, avec des suspicions, et aussi des collègues malades dont certains sont dans un état assez grave en réanimation à l'hôpital Salpêtrière. Donc voilà, nous sommes au contact de la population 24 heures sur 24 et nous voulons nous protéger et aussi protéger les citoyens. Et puis dans ce contexte évidemment sanitaire un peu particulier, Rocco Contento, vous êtes secrétaire départemental SGP Police à Paris, mais on a appris par exemple que dans un département voisin, dans les Yvelines, eh bien, certains postes de police ou subdivisions fermés, notamment ceux qui n'ont qu'un service de plainte par exemple, ils ferment dans ces conditions sanitaires un peu particulières. Est-ce qu'on peut craindre cela dans de plus en plus de départements d'Île-de-France ? Oui, tout à fait. Déjà, tout à la préfecture de police de Paris, par exemple, tous les services qui accueillent du public sont fermés.
que ce soit l'accueil de la préfecture de police, l'officier du ministère public. Ce qui se passe dans les Yvelines, c'est que ces petits postes de police subdivision sont mutualisés, sont fermés, et les personnes peuvent déposer plainte au niveau des commissariats centraux. Ce sont des mesures de précaution qui sont prises. Merci Rocco Cantento d'avoir été avec nous ce matin dans Bonjour Paris. Je le rappelle, vous êtes secrétaire départemental SGP Police 75. Les conséquences économiques à présent du coronavirus et ses nombreuses entreprises franciliennes à l'arrêt. D'autres peuvent en revanche toujours continuer leur activité. C'est notamment le cas des artisans, les plombiers, les électriciens, les garagistes. Mais ils sont désormais confrontés à un autre problème. Les pièces détachées manquent faute de fournisseurs. On écoute Aliou Sow, délégué général de la Fédération nationale de l'artisanat automobile. Très rapidement aussi est arrivé le problème de la disponibilité des pièces de rechange, donc pour permettre la réparation des véhicules. Et donc les entreprises en fait se sont retrouvées assez rapidement bloquées. Pour certaines, elles avaient des véhicules en cours de réparation, et donc c'était d'alerter sur cette situation-là. Et finalement, essayer de voir si on peut organiser un service minimum. On n'a pas besoin que tous les ateliers soient ouverts, et en même temps qu'on puisse, à l'échelle de la filière, organiser les choses pour que, par exemple, pour ces ateliers-là, que des pièces soient un minimum disponibles et qu'on puisse fonctionner pour répondre aux cas d'urgence, parce qu'il y a des cas d'urgence. BFM Paris vous accompagne dans ces temps un peu difficiles liés au coronavirus et on parle de votre mobilité avec ces prévisions de trafic RATP. Ce sont en tout cas les rames, les métros, les RER qui vont circuler ce mardi 24 mars. Regardez, pour le réseau de bus, pour commencer, eh bien 40% seulement de bus roulent en moyenne, les tramways 50% en moyenne. Les RER, vous le voyez sur la ligne A, cela roule comme hier à 30% du trafic normal. Interconnexion bien assurée à Nanterre-Préfecture. Sur la ligne B, 50% du trafic normal également. Et puis du côté des métros, 30% en moyenne sur toutes les lignes, sauf sur la ligne 1 qui, elle, roulera à 50%. Et sur la ligne 14, hein, à 40% des lignes, on vous le rappelle, automatiques. C'est pour ça que ça fonctionne un peu mieux. On reprend la direction de ce plateau ici pour parler avec toi, Marguerite Dumont, de ces questions et réponses qui préoccupent beaucoup de Parisiens et de Franciliens pendant cette propagation du coronavirus sur notre territoire. Et la première question, est-ce que le virus reste dans les cheveux ou dans la barbe? Alors en effet, hein, Patrick Pelou, l'urgentiste Patrick Pelou, a signifié qu'il fallait se raser la barbe ou la moustache, que c'était un des gestes barrières. En effet, hein, forcément, barbe et moustache sont en première ligne lorsqu'il y a des postillons, un éternuement. On sait que le virus se transmet par ces gouttelettes, donc ça peut être en effet une bonne idée de se raser la barbe pour se protéger. Ça permet justement d'enlever tout ce risque, hein, sur cette barbe qui est vraiment en première ligne. Concernant les cheveux, c'est un peu autre chose. Déjà, on évite de se toucher tout le temps les cheveux, même si pour certaines, c'est un réflexe. Mais on évite, surtout quand on est allé dans une zone potentiellement contaminée. Après, évidemment, on se lave les cheveux, surtout si l'on revient de cette zone contaminée. Et puis, de toute façon, on se lave régulièrement les cheveux, ça ne peut pas faire de mal. Et puis enfin, pour ceux ou celles qui ont les cheveux longs, eh bien, on se les attache. Ça permet également de limiter justement les postillons sur votre chevelure. C'est bien noté, je vais essayer d'éviter de postillonner dans mes cheveux et de trop les tripoter. Voilà, un petit effort, Fanny. Alors, on sait qu'il faut beaucoup se laver les mains, on a parlé hier de laver ses légumes, on lave tous les cheveux également, tu viens de le dire. Et qu'en est-il des vêtements, par exemple? Quand on porte des vêtements, qu'on a pris les transports en commun, qu'on rentre chez soi, est-ce qu'il faut les laver plus souvent que d'habitude? Alors, je pense qu'il y a différentes étapes. Tout d'abord, on part du principe qu'en effet, le virus peut vivre plusieurs heures sur les vêtements. Déjà, notre premier conseil, c'est d'avoir une tenue extérieure et une tenue intérieure. Votre tenue extérieure, vous la mettez quand vous allez faire vos courses, une petite sortie pour vous dégourdir les jambes ou si vous allez travailler. Et quand vous revenez, vous l'enlevez complètement de votre entrée et vous mettez votre tenue intérieure. On vous conseille de faire un petit sas de décontamination avant de rentrer chez vous. Donc, je pense que l'entrée, c'est le meilleur endroit. Vous laissez vos chaussures, voilà, et vos vêtements
vêtements reposés ici. Si vous revenez d'une zone potentiellement contaminée, alors évidemment, le virus peut être partout, mais par exemple, si vous allez juste faire une petite promenade dans la rue, c'est pas forcément la peine de laver son linge. Par contre, si vous êtes allé dans les transports, c'est peut-être plus utile. Et dans ce cas-là, on le lave à 60 degrés. C'est la température à laquelle le virus va être éliminé. Et puis, troisième question pour toi, Marguerite. Dans ces conditions où on reste enfermé chez soi, de confinement, parfois ça pèse un peu sur le moral. Est-ce qu'on peut se faire accompagner psychologiquement? Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, car il y a beaucoup de peur, de stress, d'angoisse liées au coronavirus, au confinement. Et il ne faut pas hésiter à en parler. C'est déjà la première étape, ne pas rester seul avec ses angoisses. Alors je vous conseille de contacter votre médecin généraliste, vos mairies, vos préfectures, qui pourront déjà vous indiquer des cellules d'aide psychologique dans votre département, dans votre commune. Et puis votre médecin généraliste, il pourra peut-être aussi vous conseiller un professionnel que vous pourrez téléconsulter, un psychologue, un psychanalyste. Et sachez que certains psychologues ont développé des cellules d'aide gratuites. Donc ça vaut le coup de se renseigner. Alors pour l'instant, il n'y a pas de numéro national d'aide psychologique, mais peut-être que ça va avancer. Hein. Par exemple, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a proposé qu'on prenne le numéro 19 pour construire une cellule d'écoute à l'écoute des Français pour qu'ils puissent s'exprimer en ces temps difficiles. Et sachez, hein, dernière petite info, pour les personnes les plus vulnérables, oui, il y a des dispositions. Alors par exemple, la Croix-Rouge française a décidé de mettre en place un numéro, alors pour venir en aide aux personnes vulnérables et isolées, mais aussi juste pour les écouter. Voilà, c'est les 09 70 28 30 00. N'hésitez pas si vous êtes dans cette situation. Merci. Vos questions, les réponses de Marguerite Dumont, évidemment, sur le plateau de Bonjour Paris. N'hésitez pas à continuer de nous faire part de vos préoccupations. Dans un instant, la suite de l'actualité à Paris et en Ile-de-France. On fait un point tout d'abord. Météo pour ce mardi avec Christophe Persson, comme hier, du soleil, mais de la fraîcheur. Captain vous présente la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Regardez le type de temps qui nous attend aujourd'hui. Une nouvelle fois, un ciel bleu, un ciel dégagé, sans nuages, mais toujours avec ce petit vent, cette bise qui continuera de souffler et qui donne par moments un ressenti un petit peu glacial. Surtout ce matin avec le ciel dégagé, mais les températures souvent négatives sur bon nombre de villes. 0 degré pour Mantes, moins 1 pour Rambouillet, Étampes, Melun, Meaux, Provins ou encore Fontainebleau, avec en plus ce petit vent. Et du côté de la capitale et pour Paris intramuros, finalement, on retrouve une température positive, 2 degrés au lever du jour. Et cet après-midi, on retrouve encore notre ciel dégagé, toujours avec ce petit vent désagréable, avec des températures un tout petit peu en baisse par rapport à hier. On perd 1 degré. On aura 12 pour Paris, 13 pour Mantes-la-Jolie, c'est le maximum sur la région. 12 degrés sur bon nombre de villes et le minimum sera du côté de Provins avec une température de 11 degrés. Pour ce mardi 24 mars, nous fêtons les Catherines. On gagne tout de même 4 minutes de soleil et ce soir, le soleil se couchera à Paris à 19h10. Lors des prochains jours, on retrouvera dans un premier temps toujours ce ciel dégagé avec encore un petit peu de vent, avec encore des températures un petit peu faibles pour la saison. Au lever du jour demain à Paris, 1 degré. Autant dire que pour le reste de la région, les températures seront bien négatives, moins 2, moins 3 degrés. C'est à peu près le même type de temps jeudi. Les nuages commenceront à arriver lors de la journée de vendredi avec une petite hausse du point de vue du thermomètre. On aura vendredi 14 degrés. Ça reste temporaire puisque les températures rebaissent pour le week-end. Et à partir de dimanche et en début de semaine prochaine, on aura à nouveau des précipitations sous forme d'averses avec des températures de 3-4 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Captain vous a présenté la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Notre rendez-vous Île-de-France Solidarité à présent et en plateau avec moi, Éric Duquesne ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien cuisinier de l'Élysée et justement responsable du restaurant Les Trois Présidents dans le 15e arrondissement. Les Trois Présidents, puisque vous avez servi sous trois présidents. Vous nous rappelez lesquels rapidement? Monsieur Chirac, Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande. Rien que voilà. Ça. Donc de la bonne cuisine en tout cas. Vous parlez de cuisine dans une circonstance un peu délicate avec le coronavirus, notamment en ce qui concerne la livraison des primeurs à Rungis.
par exemple, les professionnels sont mobilisés pour les soignants et vous intervenez auprès d'eux de quelle manière ? En fait, il y a toute une structure qui s'est montée à travers la PHP, Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée, et puis Monsieur Magenès qui est culinaire, journaliste culinaire. Oui. Et en fait, il y a toute une structure qui s'est montée où, comme nous, malheureusement, on est fermé suite à cette situation. En fait, on se mobilise avec des fournisseurs tels que Rungis, Métro et TikTok, qui met en place tout ce qui est livraison. Donc c'est une plateforme logistique un petit peu qui gère la livraison. C'est une plateforme logistique, exactement, et qui livre des plateaux repas. Et nous, on se mobilise en tant que chef partout en France pour justement apporter un peu de bien-être vis-à-vis des soignants qui risquent leur vie en permanence pour les malades. Quoi, Très belle initiative, voilà. Et ils doivent être très reconnaissants, on l'imagine également, puisque ça va être des très bons plats. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple, comme genre de menu ? Là, par exemple, on va faire un parmentier de canard confit. On essaye de, justement, à travers tous les produits frais qu'on nous amène, gracieusement. Et tout ça, c'est fait bénévolement. D'accord, donc, c'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser, tout à fait. Et puis, la marchandise est offerte. Nous, on donne de notre temps parce que de toute façon, on peut rien faire d'autre. Ouais. Et puis, en plus de ça, on essaye de se rendre utile à nos justes valeurs. Et avec Guillaume Gomez, qui essaye aussi de rameuter un petit peu un maximum de chefs en France pour pouvoir apporter notre contribution. Alors, comment est-ce que vous organisez au quotidien, puisque vos cuisines sont fermées, vous l'avez dit, dans vos restaurants, où est-ce que vous cuisinez et dans quelles conditions sanitaires aussi ? Non, pour ma part, moi je cuisine dans mon restaurant, on a désinfecté, on a nettoyé tout le restaurant et surtout la cuisine, mm-hmm. et ensuite on est livré, les paquets, etc. sont désinfectés, et puis ensuite on travaille les produits frais comme on le fait habituellement. Merci Eric. Et après on portionne tout. Et tout est livré. Là, par exemple, on va faire pour 65 personnes pour l'hôpital d'Argenteuil. Voilà. Un très beau geste, en tout cas. On vous remercie au nom du personnel soignant. Puisque je pense que les personnes à remercier, c'est les aides-soignants, les soignants, etc. Parce que pour eux, c'est vraiment pas évident. Et c'est à moindre des choses qu'on puisse faire. Merci de leur adresser ce message ici sur l'antenne de Bonjour Paris. Éric Duquesne, je le rappelle. Merci de votre invitation. Ancien chef de l'Élysée et patron du restaurant Les Trois Présidents dans le 15e arrondissement de Paris. Chaque jour, BFM Paris vous accompagne. Et justement, on parlait cuisine. On vous propose des bons plans pour traverser cette période de confinement. Et on retrouve ce matin Jenna Simba, vous la connaissez bien, notre chroniqueuse qui a toqué son habituel Paris Scan pour les fourneaux, elle aussi, les petits plats confinés de Jenna, avec ce matin une recette de choux aux accents méditerranéens. Miam. Bonjour Paris, 8e jour de confinement et vous aussi, vous avez déjà pris 3 kilos. Venez, on fait une pause, on arrête, on essaie de manger sainement. Je vous ai préparé une recette méditerranéenne pleine de goût et de saveur. On va faire un chou rôti avec une mousse de betterave et de feta. Allez, c'est parti, je vous montre. Avant de commencer, on se lave bien les mains, on respecte les gestes barrières. Pour cette recette, vous avez besoin d'un chou-fleur de taille moyenne, bien fermé. Je l'ai acheté au marché avec mon attestation, bien sûr. Du gros sel, un mélange d'épices comme du poivre, du cumin et du paprika, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après l'avoir bien rincé et enlevé quelques feuilles de mon chou, je mélange les épices et l'huile d'olive pour plus de moelleux. Mon chou a plongé dans une casserole d'eau salée bien bouillante pendant 10 à 15 minutes. Un petit rafraîchissement dans la passoire et je le badigeonne délicatement dans mon mélange d'huile d'olive et d'épices avec une pincée de sel. Direction le four, je laisse cuire pendant 10 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat. Pas mal, hein ? Normalement, vous devez avoir un chou croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Perso, je rajoute encore une touche d'huile d'olive et de sel. Dans du papier cuisson un peu froissé pour le style, on peut le manger avec les mains comme des chips. Sinon, on le met dans une assiette simple et efficace.
efficace pour épater vos confinés. On passe à la mousse de betterave à la feta. Il vous faut des betteraves déjà cuites, on trouve ça facilement dans les supermarchés, 100 g de feta, une cuillère à soupe d'huile de tournesol et de vinaigre de framboise, de fruits rouges ou de vin et des noisettes pour la déco. Dans le mixeur, on mélange le tout, betterave, feta et le reste des ingrédients. Un peu de sel, j'ai rajouté un soupçon d'épices orientales pour plus de saveur. On mixe pendant quelques minutes pour avoir une mousse colorée et sans grumeaux. Laissez reposer 1 à 2 heures dans le frigo. Et voilà, effet garanti, c'est bon, c'est sain. Pas mal du tout ce chou-fleur rôti accompagné de cette mousse de betterave feta avec des noisettes. Si vous ne kiffez pas, je vous rembourse. Bon appétit! Merci Jenna. Restez avec nous. Bonjour Paris revient dans un instant. Nous reviendrons notamment sur les changements concrets sur votre vie en Ile-de-France à la suite du durcissement du confinement annoncé hier par le Premier ministre. A tout de suite. Sur le replay BFM TV, retrouvez nos grandes enquêtes exclusives. Une épidémie au lourd bilan. 80 000 personnes contaminées, 3 000 décès. Pour aller plus loin dans l'analyse de notre époque. Il le tutoie son cancer. Vit avec lui, c'est son ennemi. Est-ce que vous étiez réellement ruiné ? Ça ne devrait pas vous regarder. C'est un symbole pour le Royaume-Uni. Une tradition. Retrouvez le replay BFM TV sur tous vos écrans. Découvrez les plus grandes marques de literie. Treka, Simons, Tempur, Bultex, Epeda. Toi. Ouais, bof. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais monter ma boîte, mais j'ai pas les moyens de louer des locaux. Mais pas de problème, fais comme moi, choisis une domiciliation commerciale chez Sofradom. Qu'est-ce que c'est une domiciliation commerciale? Ton entreprise aura une adresse légale, tu pourras l'immatriculer et commencer à travailler. C'est pas vrai. Et je ne paye que 15 euros par mois. Bah, j'y vais. À plus. Bonne journée à toi. Sofradom, votre conseiller en domiciliation entreprise sur sofradom.fr au 01 56 93 4000. Bonjour Paris, édition spéciale coronavirus. Nous sommes le mardi 24, mercredi, j'allais dire novembre, pas du tout, mars. Voilà, je suis déjà très très loin dans l'année. Ça me perturbe complètement ce coronavirus. Confinement évidemment au programme aujourd'hui. Ce qui change justement dès ce mardi avec le Premier ministre Édouard Philippe qui a annoncé ce lundi soir qu'il avait décidé de durcir et de préciser les règles de confinement dans l'espoir de ralentir la propagation du Covid-19. Des mesures signées par le Premier ministre par décret et donc applicables dès ce mardi. On fait le point dans un instant.
L'économie au ralenti en Île-de-France. C'est l'une des conséquences économiques du coronavirus et nombreuses entreprises franciliennes à l'arrêt. Mais d'autres, vous le verrez, peuvent toujours continuer d'exercer. C'est le cas de certains artisans, les plombiers, les électriciens, les garagistes. Ils sont tout de même confrontés à des difficultés d'approvisionnement. On en parle dans Bonjour Paris. BFM Paris vous accompagne comme tous les matins, vous le savez, nous vous appelons chaque jour pour savoir comment vous vivez ce confinement à Paris, en Ile-de-France. Rendez-vous à retrouver dans un instant, restez avec nous. Et la météo à Paris, en Ile-de-France, pour ce mardi, nous retrouvons Christophe Persson. Comme hier, le programme, c'est du soleil, mais attention à cette fraîcheur. C'est une journée sans nuages qui s'annonce sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais toujours dans la fraîcheur, avec un petit peu de vent qui rend une sensation froide pour cette journée. Alors, à Paris intramuros, on relève 2 degrés au lever du jour, mais partout ailleurs, on a souvent des gelées, avec des températures comprises entre 0 et moins 1. Cet après-midi, le ciel reste dégagé. On aura 12 pour Paris, 12 également pour Melun et 11 degrés à Provins. Édition spéciale, évidemment, consacrée au coronavirus dans Bonjour Paris. Et votre vie à Paris, en Ile-de-France, qui, vous l'avez remarqué, a forcément bien changé depuis le confinement. Il est imposé depuis maintenant une semaine. Eh bien, ce n'est pas fini. Nouvelles annonces, en effet, du Premier ministre hier soir et le renforcement des mesures sanitaires confirmées. Parmi les nouvelles règles pour ralentir la propagation du Covid-19, Édouard Philippe a annoncé la fermeture des marchés de plein air. Et ce, dès ce mardi matin. Des dérogations restent toutefois possibles dans certains cas. Tiffaine Pocolandel pour les explications. Marquage au sol, règles de sécurité affichées. Ici, dans le 15e arrondissement, tout était prêt pour accueillir les clients. Pourtant, ce matin, ce marché restera fermé. Je comprends pas. Ça sert à rien parce qu'il y a des traits par terre qui donnent une distance de sécurité d'un mètre par chaque personne. Ça n'a aucun sens. Mais bon, s'ils décident ça, on ne peut rien faire. C'est comme ça. C'est une bonne chose. Ça aurait dû être fait avant. Pour la promiscuité, les gens ne respectent pas la distance de sécurité. Voilà, il y a des choses inadmissibles. Je comprends les commerçants qui vont perdre beaucoup, mais tout le monde perd beaucoup, donc la santé avant tout. Comme ici au marché de Barbès la semaine dernière, depuis le début du confinement, les images de foule se sont multipliées dans les marchés parisiens, à tel point que la mairie de Paris a réclamé hier leur fermeture. Une demande entendue par le Premier ministre. Nous sommes vraiment très satisfaits des annonces du Premier ministre. Nous ne demanderons pas de dérogation. Nous avons observé, malgré des moyens exceptionnels pour les sécuriser, etc., des promiscuités dangereuses pour la santé. Il n'est pas raisonnable d'exposer les commerçants eux-mêmes, les Parisiens, à un risque vital. Chaque ville peut demander une dérogation au préfet pour garder ses marchés ouverts. Une démarche que compte notamment entreprendre le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Plus de marchés donc, et puis Édouard Philippe qui a également annoncé que les activités sportives seraient plus strictement encadrées. On en parle avec Florian Chevalet, reporter BFM Paris sur les quais de Seine. Ces nouvelles restrictions, elles concernent par exemple le jogging, cher au cœur de nombreux franciliens. Bonne nouvelle Fanny pour les franciliens, les petites foulées le long de la Seine sont pour l'heure toujours possible, mais les règles sont devenues un peu plus strictes. Il n'est possible, envisageable de sortir pour faire son footing et se dégourdir les jambes seulement qu'une fois par jour, pendant une heure si vous êtes seul, et dans un périmètre d'un kilomètre autour de son domicile. Pour le prouver, un papier justificatif est toujours indispensable à garder sur vous, un papier sur lequel devra être inscrit l'heure à laquelle vous êtes sorti de votre domicile. Alors les joggeurs sont ce matin dans le cœur de la capitale, toujours aussi nombreux, difficiles à approcher puisque vous l'aurez compris, eh bien les minutes pour s'aérer sont devenues comptées. On a tout de même rencontré deux Parisiennes, rencontrées un peu plus tôt. Écoutez. J'y vais à 7h du matin, il n'y a personne. Donc je pense que aussi les Parisiens ils peuvent s'organiser pour y aller quand il n'y a pas trop de monde. Moi, s'il y a du monde, je le vois de chez moi. S'il y a du monde, je ne sors pas. Faut faire un peu intelligent. On dit qu'il faut 15 minutes de contact avec quelqu'un de contaminé. Or là, c'est quelques millièmes de seconde, donc je ne comprends pas la pertinence en fait. Mais là, du coup, Édouard Philippe, je trouve que c'est très bien parce que ça va permettre de réguler les choses. Okay. Gare donc aux joggeurs en herbe ou sportifs confirmés de bien respecter ces règles. L'amende de 135 euros peut être majorée à 375 euros, voire même passer en cas de récidive à 1500 euros. Mais Fanny, pour garder une note positive, je voulais vous montrer cette image, ce lever de soleil sur la capitale et sur la Seine. Croyez-moi, comme chaque matin règne ici dans le cœur de Paris, un calme assez impressionnant.
Merci Florian Cheval. On apprécie cette très belle image. En effet, les bonnes nouvelles, ça fait du bien dans ces circonstances. En tout cas, ce n'était pas une surprise. Dans ces conditions de coronavirus, la durée même de la mesure de confinement va devoir être rallongée. Pas de date précise encore annoncée par Édouard Philippe. Mais tout de même, quelques indices. Écoutez le Premier ministre à ce sujet. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de Français aimeraient, aimeraient pouvoir retrouver le temps d'avant, le temps normal. Mais il n'est pas pour demain. Et on sent bien que les mesures de confinement que nous avons prises et que nous allons encore durcir au sens où nous allons les préciser et veiller à ce qu'elles soient plus strictement observées, que ce temps du confinement est encore le nôtre et qu'il peut durer encore quelques semaines. Cette question qui nous préoccupe chaque jour davantage, comment progresse justement ce coronavirus dans notre région? Le dernier bilan de Santé publique France fait état de 19 615 cas confirmés. Cela concerne la France métropolitaine, hein, près de 3 600 cas de plus que la veille. Parmi eux, vous allez voir également les cas qui concernent l'Île-de-France. Ils se dénombrent au nombre de 6 211 cas en Île-de-France, soit 928 nouveaux cas depuis la veille. Conséquence, l'inquiétude monte et avec elle, les demandes également de tests de dépistage. Pour les réaliser rapidement et en toute sécurité, un drive médical a été mis, vous allez le voir, en place par de nombreux laboratoires. Les patients, uniquement, on le rappelle, des personnes à risque ou encore des professionnels de santé, viennent en voiture pour effectuer leur prélèvement. Exemple dans les Hauts-de-Seine avec Nicolas Potier et Kelly Laffin. Comme chaque matin depuis jeudi, Caroline a le sentiment d'enfiler une tenue de combat. Bah c'est la guerre, quoi. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est devant son laboratoire, en pleine rue, qu'elle installe son matériel. Des tests pour le dépistage du coronavirus. Ce premier patient présente des symptômes graves. J'arrive pas à respirer et mon médecin directement il m'a pris rendez-vous. C'est bon, hein, c'est fini. Hein. C'est bon. L'opération ne dure que quelques secondes. Un coton-tige dans chaque narine, immédiatement isolé dans un récipient. Il va être analysé en quelques heures. Ce dépistage ne se fait qu'en voiture, pour limiter les contacts des biologistes avec les patients. Mais peu de tests sont disponibles. Seules les personnes à risque et les professionnels de santé sont autorisés à les faire s'ils présentent des symptômes. Une restriction frustrante pour certains. C'est pas que je veux pas vous faire le test. Si vous êtes dans les conditions, je vous le fais. Je demande à faire un test, on me dit non, on peut pas le faire. Est-ce que c'est normal? Voilà, je trouve ça, c'est un scandale. S'ils ne sont pas dans les critères, on ne peut pas les prendre. Alors après, on leur explique, soit ça passe très bien, ils le comprennent très bien et ils comprennent que c'est réservé aux cas graves, soit ils ne comprennent pas et on peut se faire insulter. En amont, le standard doit faire le tri parmi des centaines d'appels. Il faut rester en confinement, voyez, parce qu'on n'a pas beaucoup de tests. Ce laboratoire pourra réaliser jusqu'à 30 tests par jour. Ceux qui ont déjà été analysés sont à 70% positifs au coronavirus. Et cette question, évidemment, au quotidien, comment éradiquer le Covid-19? C'est l'obsession des scientifiques, des médecins, des malades également, parfois prêts à tout pour un remède. Alors qu'en est-il de la chloroquine, notamment testée à Marseille par le professeur Didier Raoult? Il s'agit d'un antipaludéen. Alors certains scientifiques réclament plus de tests avant toute prescription. Des recommandations qui vont d'ailleurs dans le sens de celles du Haut Conseil. Les explications de Bruno Malène, président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France. Il était en lien vidéo avec nous un peu plus tôt. Il en appelle à la prudence. Depuis la fin de la semaine dernière, effectivement, nous avons un certain nombre de demandes au comptoir. Et c'est la raison pour laquelle il était urgent que les autorités sanitaires nous donnent une ligne de conduite pour savoir ce que l'on devait faire devant ces prescriptions et ces demandes de chloroquine au comptoir. On avait peut-être 4-5 appels dans la journée. C'est en croissance depuis hier. Hein. C'est vraiment plusieurs dizaines de demandes et d'interrogations au sujet de la chloroquine. Voilà pour ces précisions de Bruno Malène. Le coronavirus en Île-de-France et ses conséquences très concrètes également dans votre vie quotidienne, par exemple pour votre approvisionnement en fruits et en légumes. Avec la maladie, les marchés ferment, on l'a dit, mais les agriculteurs manquent aussi de plus en plus cruellement de main-d'œuvre. Elle est déjà rare en temps normal, mais les travailleurs étrangers surtout ne peuvent plus venir prêter main forte. Une situation qui inquiète dans notre région. Écoutez ces agriculteurs inquiets. Si on n'a pas de main-d'œuvre, nous allons déjà pas pouvoir récolter nos produits, le peu que l'on a, et également vendre, du moins produire pour la saison prochaine. On est au début, je dirais, d'une vague
Mais la vague, elle va être bien plus haute que ça. Là, on est vraiment aux prémices. Nous avons décidé d'arrêter 4 points de vente, mais le travail est beaucoup plus intensif qu'en temps normal. On se demande comment on va s'en sortir. Il va pas falloir que ça dure des mois et des mois. Une situation évidemment compliquée pour tous les commerçants, pour tous les entrepreneurs de Paris et d'Île-de-France notamment, qui est la région la plus touchée en France par le coronavirus. On parle de ses conséquences économiques en lien vidéo avec Alexandra Dublanche. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin dans Bonjour Paris. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France en charge du développement économique. Vous êtes également adjointe à la mairie de Sartrouville. Vous êtes, vous, en lien avec l'État, également avec la BPI. L'enjeu pour vous aujourd'hui, c'est d'aider évidemment à tous ces commerces qui sont en difficulté, de quelle manière ? Alors bien sûr, on travaille au quotidien avec tous les services de l'État, les partenaires institutionnels, pour aider les petites entreprises notamment, les commerçants, les artisans à faire face. On développe plusieurs outils. Déjà, il faut être en capacité de leur répondre au téléphone et de façon concrète. Donc nous avons ouvert à la région, par exemple, une ligne téléphonique, un numéro unique, le 01 53 85 53 85, où ils peuvent avoir des réponses à leurs questions, y compris sur des dispositifs État tels que le chômage partiel, car les lignes de l'État sont assez submergées. Donc nous venons en renfort, puis nous développons aussi des dispositifs spécifiques, par exemple le fonds de solidarité, qui est un fonds d'un milliard d'euros dans lequel les régions mettent 250 millions. La région Île-de-France y contribue à hauteur de 30%. Et l'idée, c'est vraiment, avec un montant forfaitaire de 1500 euros, de pouvoir aider les petites entreprises de moins d'un million de chiffre d'affaires qui ont connu une baisse de 70% de leur chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. Donc ce sont ce type d'aide que nous développons pour eux. Et ensuite, l'enjeu pour nous, c'est de le diffuser au maximum sur les territoires. Alors ça, ce sont les aides pour les petits commerçants, vous l'avez dit, pour les entrepreneurs également. Il y a aussi des aides disponibles en direction des personnels soignants. Tout à fait. Nous avons ouvert à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse un fonds de 10 millions d'euros pour les personnels soignants d'équipement, d'achat d'équipement. C'est-à-dire que nous finançons à hauteur de 5 000 euros par praticien et 30 000 euros jusqu'à 30 000 euros par cabinet. De l'équipement, quel qu'il soit, ça peut être un ordinateur pour faire de la télémédecine, ça peut être du matériel stérile quand ils en trouvent, ça peut être une voiture de location pour aller chez les patients. Et donc cette ligne aussi de 10 millions d'euros est ouverte pour eux, donc pour les médecins libéraux, les infirmières libérales, les sages-femmes libérales. Et donc il faut aussi le faire connaître. Et le numéro unique est la bonne porte d'entrée. Et puis Alexandra Dublanche, il y a aussi cette situation un peu particulière dans le bâtiment et les travaux publics, avec ces chantiers qui ne sont pas arrêtés. Cela concerne notamment des constructions, de réfections, de rénovations de lycées. Vous incitez les entrepreneurs à continuer ces travaux, mais vous aidez également dans ce secteur du BTP. Alors effectivement, nous à la région, sur tout ce qui est marché public, on a voulu continuer cette activité, notamment pour les travaux dans les lycées. Il y a une forte demande du secteur du BTP, d'une meilleure communication au plus haut niveau de l'État entre confinement versus nécessaire poursuite de l'activité. Donc le gouvernement revient un petit peu en arrière en essayant de pousser à la reprise de l'activité dans le BTP, mais je pense aussi à l'agroalimentaire. Je pense aussi à l'insertion par l'activité économique. Et donc nous, côté région, on remonte ces demandes au niveau du gouvernement. Et en ce qui concerne nos marchés publics, nous essayons de maintenir ces travaux, par exemple dans les lycées dont nous avons la charge. Alexandra Dublanche, merci d'être intervenue sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France en charge du développement économique. Merci. On va parler de la condition, de la situation sanitaire, évidemment, liée à ce coronavirus et à son expansion sur notre territoire à Paris et en Île-de-France. Marguerite Dumont, le Parlement a définitivement adopté, on le rappelle, dimanche dernier, des mesures qui instaurent donc ce fameux état sanitaire d'urgence. On en parle beaucoup en ce moment. Il a instauré pour 2 mois avec des mesures économiques pour les salariés notamment. C'est l'heure du Pariscan. Concrètement, tu vas nous expliquer, Marguerite, ce que ça veut dire pour les Franciliens, cet état sanitaire d'urgence. Alors, une de vos principales interrogations, ces jours de congé que l'on pourra vous imposer, forcément, s'inquiète. Alors, on va essayer de démêler tout ça. Déjà, leur nombre est limité. Au maximum, 6 jours. Regardez, uniquement ceux que vous devez poser avant le 31 mai prochain, vous n'aurez pas à prendre par anticipation.
l'exception. Ce qui change, c'est que votre employeur ne sera pas tenu de respecter le délai de prévenance d'un mois. Il pourra prendre cette décision au dernier moment, mais attention, cette décision, elle ne pourra être uniquement prise sous réserve d'un accord d'entreprise ou de branche. Le dialogue social est bien entendu maintenu. Attention tout de même, ces dispositions que je viens de vous citer, ces trois-là, elles ne sont valables que pour les congés payés. Elles ne valent pas pour les RTT ou les jours de repos affectés sur votre compte épargne-temps. Ils pourront être imposés ou modifiés unilatéralement par le patron, sans accord et sans préavis, évidemment. L'objectif, c'est de trouver une alternative au chômage partiel et mobiliser le maximum de salariés quand l'économie repartira. Autre geste envers les syndicats validés par le Parlement ce dimanche. Les jours de carence en cas d'arrêt maladie disparaissent temporairement. C'était déjà le cas pour les personnes en quarantaine ou les personnes qui devaient garder un enfant. Eh bien, ces dispositions, elles sont désormais élargies à tous les arrêts maladie classiques dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Concrètement, ça veut dire que vous allez être payé dès le premier jour de l'arrêt maladie, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis Marguerite, hier, le Premier ministre Édouard Philippe a notamment précisé d'autres mesures, celles qui concernent par exemple le chômage partiel. Le système le plus généreux d'Europe, ce sont les mots d'Édouard Philippe. En effet, le recours au chômage partiel est simplifié et destiné à toutes les salariés et entreprises, y compris ceux en forfait jour. Ça permet aux salariés de garder leur rémunération et aux entreprises de ne pas licencier. Donc ce chômage partiel, il fait partie des ordonnances présentées ce mercredi en Conseil des ministres. Les textes vont être plus détaillés, mais on a déjà certaines précisions avec par exemple ce fonds d'aide aux indépendants et aux petites entreprises. On en parlait il y a quelques instants, taillé pour 2 mois. Il permettra de verser une indemnité de 1500 euros à toute entreprise de moins d'1 million de chiffre d'affaires fermé ou dont le revenu a baissé d'au moins 70%. Et puis il y aura d'autres dispositions aussi prises par voie d'ordonnance concernant le soutien à la trésorerie des entreprises, encore des délais accordés pour reporter ou étaler le paiement des factures. Dernier point, cela concerne les demandeurs d'emploi, les personnes qui bénéficient de minima sociaux ou encore les intermittents par exemple. Si vous arrivez en fin de droit, pas d'inquiétude, ils seront prolongés jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Merci Marguerite Dumont pour ces précisions donc sur ce fameux état d'urgence sanitaire dans notre région. Dans un instant, la suite de l'actualité à Paris et en Ile-de-France. Avant cela, faisons un point météo pour ce mardi avec Christophe Persson. Comme hier, du soleil, mais attention à cette fraîcheur. Captain vous présente la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Regardez le type de temps qui nous attend aujourd'hui. Une nouvelle fois, un ciel bleu, un ciel dégagé, sans nuages, mais toujours avec ce petit vent, cette bise qui continuera de souffler et qui donne par moments un ressenti un petit peu glacial. Surtout ce matin avec le ciel dégagé, mais les températures souvent négatives sur bon nombre de villes. 0 degré pour Mantes, moins 1 pour Rambouillet, Étampes, Melun, Meaux, Provins ou encore Fontainebleau avec en plus ce petit vent. Et du côté de la capitale et pour Paris intramuros, finalement on retrouve une température positive, 2 degrés au lever du jour. Et cet après-midi, on retrouve encore notre ciel dégagé, toujours avec ce petit vent désagréable, avec des températures un tout petit peu en baisse par rapport à hier. On perd 1 degré. On aura 12 pour Paris, 13 pour Mantes-la-Jolie, c'est le maximum sur la région. 12 degrés sur bon nombre de villes et le minimum sera du côté de Provins avec une température de 11 degrés. Pour ce mardi 24 mars, nous fêtons les Catherines. On gagne tout de même 4 minutes de soleil et ce soir, le soleil se couchera à Paris à 19h10. Lors des prochains jours, on retrouvera dans un premier temps toujours ce ciel dégagé avec encore un petit peu de vent, avec encore des températures un petit peu faibles pour la saison. Au lever du jour, demain à Paris, 1 degré. Autant dire que pour le reste de la région, les températures seront bien négatives, moins 2, moins 3 degrés. C'est à peu près le même type de temps jeudi. Les nuages commenceront à arriver lors de la journée de vendredi avec une petite hausse du point de vue du thermomètre. On aura vendredi 14 degrés. Ça reste temporaire puisque les températures rebaissent pour le week-end. Et à partir de dimanche et en début de semaine prochaine, on aura à nouveau des précipitations sous forme d'averses avec des températures de 3-4 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Captain vous a présenté la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée.
BFM Paris vous accompagne, vous le savez, tous les matins. Il est temps de prendre de vos nouvelles avec notre rendez-vous Ma vie confinée, en lien vidéo ce matin avec nous. Clément Rouchet, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en télétravail, justement, ça tombe bien, c'est très à la mode en ce moment. On vous connaît à BFM Paris puisqu'on vous a rencontré dans votre entreprise, c'était la semaine dernière. Depuis, cette société donc, de télétravail a fermé. Comment ça se passe, le télétravail complet qui a été mis en place justement par votre société depuis? Bah écoutez, ça se passe très bien. On fonctionne effectivement 100% à distance. On ne prend pas du tout ça à la légère parce qu'on sait que c'est vraiment très différent du télétravail ponctuel qu'on peut pratiquer habituellement. Donc on s'est organisé. On s'est organisé avec l'équipe de management. On se fait une visio tous les matins pour faire un peu un point sur l'activité, savoir ce qui est maintenu, ce qui est reporté, ce qui est annulé. Le maître mot, c'est de rester agile parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. On verra les annonces du gouvernement, mais ça risque effectivement d'être prolongé. Avec les équipes, on essaie également de faire des visios régulières, de prendre soin les uns des autres, et c'est vraiment très très important. Et puis au global, ça se passe très bien, parce que c'est vrai que les équipes jouent vraiment le jeu, elles sont assez formidables sur le sujet. Je sais qu'elles nous écoutent, donc j'en profite vraiment pour les remercier de leur engagement dans cette période un petit peu bizarre. C'est bien de voir en tout cas que le système fonctionne bien dans votre propre vie professionnelle. Et justement, vous, en tant qu'expert de cette chose, de ce télétravail, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux personnes qui sont aussi concernées, peut-être de manière moins habituelle que vous depuis ce début de confinement? Ouais, le premier principe du télétravail, clairement, c'est de fonctionner en transparence. Si on n'est pas transparent sur ses disponibilités, ses indisponibilités, sur sa charge, sur sa sous-charge, sur son état émotionnel, on ne peut pas le deviner. À distance, c'est impossible de savoir comment une personne va. Donc, il faut effectivement s'autodiscipliner et pouvoir aller vers les autres, que ce soit vers ses collègues ou vers son manager. Donc, la transparence, c'est vraiment un principe clé. Ensuite, à titre plus individuel, bah, il faut arriver vraiment à se créer et à se recréer des routines. Donc, le rituel du matin de ne pas passer c'est du lit directement au bureau, c'est vraiment très important d'arriver à garder son rituel café, thé, douche, habillage, c'est vraiment indispensable pour se conditionner et se dire qu'on démarre une activité professionnelle. C'est très important d'avoir ces sas hein, au début et à la fin de la journée. Gérer ses proches, c'est aussi un enjeu, surtout avec la fermeture des établissements scolaires vu la période. Hein, mais il faut arriver à faire passer le message que même si papa et maman est à la maison, il est en train de télétravailler et de travailler. Donc on peut venir lui faire un câlin, mais on peut pas le déranger tout au long de la journée. Et puis ensuite, c'est la discipline personnelle. Il faut vraiment arriver à s'arrêter le soir, à se couper, à fermer son PC et à isoler son poste de travail, parce que sinon on aura la tentation d'y revenir. Et vu que ça va durer, il faut vraiment voir ça plus comme un marathon que comme un sprint, parce que ça risque effectivement de durer. Merci pour ces conseils très avisés, Clément Rouchet. On le répète, donc expert en télétravail. On a vu en tout cas que vous avez toutes les clés pour que ça fonctionne. Vous aussi, n'hésitez pas, hein, si vous voulez témoigner de votre expérience, de votre confinement dans la région. Le téléphone est ouvert hein, sur BFM Paris. La ligne, c'est le 06 13 02 46 93. Vous pouvez également nous contacter via les réseaux sociaux avec le hashtag Bonjour Paris ou via notre page Bonjour Paris BFM. Et tout de suite, on fait le tour des réseaux sociaux, c'est votre clin d'œil. Que s'est-il dit sur les réseaux sociaux au sujet de ce confinement? Aujourd'hui, thématique confinement intelligent. Attention, regardez, première publication sélectionnée à la rédaction, on part sur le réseau social professionnel LinkedIn, où vous allez voir, on pourrait parler de télé-école. On a vu le télétravail il y a encore quelques instants. Là, ce sont des jeunes qui étudient donc depuis leur maison. Et il ne s'agit pas de n'importe qui, ce sont peut-être les futures stars du ballon rond au PSG, au Paris Saint-Germain. Avec cette publication, PSG, top départ de cette deuxième semaine de cours à la maison pour nos jeunes du centre de formation et de préformation. Ils sont connectés 4 heures par jour avec leurs éducateurs, les jeunes qui suivent assidûment leur classe virtuelle. Fiers de nos jeunes et merci à leurs parents pour leur soutien. Hashtag PSG, hashtag ici c'est Paris, ça c'est vraiment la base hein, dans toutes ces publications du PSG. Et on voit en tout cas sur ces photos, vous pourrez les voir en plus grand, eh bien, ces jeunes très heureux de travailler malgré tout depuis chez eux. Et puis surtout, moi, c'était la petite touche nostalgique, je constate que la trousse toujours taguée au blanco ou encore ces petites feuilles à carreaux.
trop et ces intercalaires avec des œillets, eh bien ça, voilà, ça rappelle un petit peu des vieilles notions de l'école il y a très longtemps, il y a encore quelques dizaines d'années, on pourrait le dire, pour être gentil. En tout cas, voilà, bravo à eux, ils sont courageux et évidemment, on leur souhaite le meilleur dans leurs études et puis aussi dans leurs activités sportives à venir quand elles reprendront. On poursuit sur Twitter à présent pour voir comment est-ce qu'on peut profiter de ce confinement intelligemment, pourquoi pas pour apprendre un métier, celui de journaliste. Et vous allez voir qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer. Avec ce compte, c'est Erwan qui se dit journaliste confiné de 7 ans et demi. Dans sa description, il habite dans le 14e arrondissement de Paris. Et ça s'appelle le journal. Voilà cette publication, le numéro 6 qui est paru dimanche. Il n'en a pas eu de nouveau depuis. C'est donc le plus récent. Mais regardez, c'est le journal de dimanche qui vous donnait eh bien, une recette, hein, comme tous les dimanches. C'est en tout cas la promesse de ce journal qui est apparu depuis le mardi, depuis le 20 mars dernier, hein, donc assez régulièrement. Et là, on a eh bien, un édito, on pourrait le dire, qui nous annonce eh bien, qu'on va parler de la recette de la pizza, avec l'illustration de cette pizza, tous les petits ingrédients qui vont bien, la définition de ce qu'est une pizza, et ça c'est très intéressant de le savoir. Et puis toujours ces petits jeux, voilà, comme on retrouve dans un petit journal habituel. Ici, c'est un labyrinthe qui a été créé par cet enfant de 7 ans et demi, donc je suis assez bluffée hein, par ces talents d'invention de ce labyrinthe, où l'on doit eh bien, partir à la quête, évidemment, d'une pizza. Voilà, en tout cas, on vous invite à aller sur ce site, hein, hashtag le journal, le journal, si vous le voyez sur Twitter, c'est Erwan qui s'en charge. Et on termine avec Instagram, puisqu'on parle justement de cuisine, cette occupation également en confinement pour beaucoup d'entre vous. On a l'air de tous se rabattre finalement sur la nourriture, c'est toujours ça un peu qui nous redonne le moral. Vous allez voir comment eh bien, Boudère, ce comédien, cet humoriste parisien, allie à la fois la cuisine mais aussi l'instruction et il fait ça avec son fils, regardez. On va faire notre goûter tout seul, d'accord? On va cuisiner, je vais te faire un goûter, t'as jamais mangé ça de ta vie. Qu'est-ce que tu veux manger au goûter? Un caca. Un caca? Ouais. Alors là, avec le livre de recettes, normalement ça doit aller. Voilà, un 4 quarts. Un 4 quarts. Prenez un tiers de. Non, mais laisse tomber, il y a des fractions. Je vais galérer. Moi, je vais galérer. Je vais en faire un autre truc. Le 4 quarts, 4 fois 1 quart, forcément, des fractions à réviser. C'est le cas de Boudère avec son fils. C'est une bonne occasion à la fois de joindre l'utile à l'agréable, en tout cas. Restez avec nous. Bonjour Paris, forcément, continue dans ces circonstances un peu particulières. Cette édition spéciale coronavirus, nous reviendrons notamment sur les changements concrets sur votre vie en Ile-de-France à la suite de ce durcissement du confinement qui a été annoncé hier par le Premier ministre. À tout de suite. Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Allianz, votre partenaire Audi vous présente... Travailler, c'est avoir un job, une passion, à vous de voir. L'amour, c'est se marier, à vous de voir. Et la beauté, la maison, la ville, à vous de voir. Il y a des milliers de façons de voir les choses. Plus une, la vôtre. Nouvelle Audi Q3 Sportback. Votre partenaire Audi Allianz. 6 adresses à Paris et en Ile-de-France. Plus d'infos sur allianz.com. Marianne Colarossi, bonjour. Nathalie, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Breteuil Immobilier. Sur quoi repose le concept de Breteuil? Lorsque j'ai fondé ma première agence, il y a 20 ans, dans le 7e, j'avais un objectif fort, proposer à mes clients un service de qualité irréprochable. Et je me suis rendu compte que pour proposer un service de qualité, il fallait connaître parfaitement le quartier. On ne vend bien que ce que l'on connaît bien. J'ai donc constitué des équipes en fonction de la connaissance qu'ils avaient du quartier. Qu'est-ce qui distingue Breteuil des autres agences immobilières? Breteuil Immobilier est un groupe familial. Dès le début, nous avons décidé de salarier nos collaborateurs. Ils s'inscrivent dans la durée,
Ils sont fidèles à la marque et nous évitons ainsi l'esprit mercenaire qui va à l'encontre du service sur mesure que je veux apporter. Nos collaborateurs ainsi accompagnent tout au long de leur vie et de leur projet immobilier notre clientèle. Merci Marianne. Merci Nathalie. Mardi 24 mars, vous regardez Bonjour Paris. Merci de votre fidélité. Au sommaire de cette édition spéciale coronavirus, évidemment, on parlera de ce qui change aujourd'hui dans votre confinement. Pourquoi ? Eh bien parce que le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce lundi soir qu'il avait décidé de durcir et de préciser les règles du confinement, dans l'espoir évidemment de ralentir la propagation du Covid-19. Des mesures signées par le Premier ministre par décret, c'était ce lundi soir, et donc applicables dès ce mardi matin. On fait le point dans un instant. Les conséquences économiques, évidemment, sur notre région, ce sont ces ralentissements de plusieurs entreprises, ces nombreuses entreprises franciliennes qui sont aussi à l'arrêt, mais vous allez voir, certaines autres continuent de fonctionner. C'est notamment le cas des artisans, de certains d'entre eux, en tout cas, les plombiers, les électriciens, les garagistes. Ils sont tout de même confrontés à certaines difficultés d'approvisionnement. On en parle dans Bonjour Paris. BFM Paris à vos côtés dans cette période difficile, évidemment. Nous vous appelons chaque jour, vous en avez pris l'habitude, pour savoir comment vous vivez ce confinement à Paris et en Ile-de-France. Rendez-vous à retrouver dans quelques minutes. Mais avant cela, la météo à Paris et en Ile-de-France pour ce mardi. Nous retrouvons Christophe Persson et comme hier, le programme, eh bien, c'est du soleil mais de la fraîcheur. C'est une journée sans nuages qui s'annonce sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais toujours dans la fraîcheur, avec un petit peu de vent qui rend une sensation froide pour cette journée. Alors, à Paris, intramuros, on relève 2 degrés au lever du jour, mais partout ailleurs, on a souvent des gelées avec des températures comprises entre 0 et moins 1. Cet après-midi, le ciel reste dégagé. On aura 12 pour Paris, 12 également pour Melun et 11 degrés à Provins. Bonjour Paris, spécial coronavirus. Votre vie à Paris, en Ile-de-France, a évidemment bien changé depuis le début de ce confinement le 17 mars. Eh bien, ce n'est pas fini. Nouvelles annonces, en effet, du Premier ministre hier soir et le renforcement des mesures sanitaires qui est donc confirmé. Parmi les nouvelles règles pour ralentir cette propagation du Covid-19, Édouard Philippe a annoncé la fermeture des marchés de plein air dès ce mardi matin. Des dérogations restent toutefois possibles dans certains cas. La ville de Paris, en revanche, a fait savoir qu'elle n'en demanderait pas de ces dérogations. Ashley Chevalier, vous êtes ce matin sur le marché d'Aligre. Sur ce marché, il y a une partie à ciel ouvert et puis il y a aussi une halle. Qu'est-ce qui se passe ce matin dans cette partie justement couverte ? Les marchands de ici sont en colère, ils sont amers. Ils pensaient pouvoir échapper à la fermeture grâce à ce toit. Et ils ont appris hier soir, très tard, nous disent-ils, qu'ils étaient finalement concernés par la fermeture grâce à cause de ces ouvertures de part et d'autre du marché. Résultat, ce matin, ils remballent. Parce que le problème, c'est que la plupart avaient déjà acheté de la marchandise. Ce poissonnier, par exemple, il va essayer de rendre son poisson, de le revendre à perte forcément. Forcément à une cantine d'entreprise, s'il n'y arrive pas, ce sera poubelle. Quand on a des produits frais, des produits périssables, c'est une perte sèche, c'est ce qu'ils nous disent tous. Le fromager est lui aussi en train de remballer ses fromages. Il réclame une dérogation parce que depuis plusieurs jours, ils avaient mis en place plusieurs choses pour que les distances soient respectées. On voit le marquage au sol, le marquage aussi sur les étals. Mais Anne Hidalgo, la maire
maire de Paris a indiqué qu'il n'y aurait pas de dérogation à Paris. Du coup, ce matin, c'est Système D également. Regardez, des affiches ont été placardées sur ce marché. Il propose de faire de la livraison à domicile. Et d'ailleurs, ce vendeur est en train de parler à un client, regardez, qui pensait trouver ce marché ouvert et qui, manifestement, est un peu surpris. Ce casse-tête de la situation des marchés à Paris, en Ile-de-France notamment, on en parle en lien vidéo ce matin avec Dominique Bavoil. Bonjour, vous êtes le maire de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Vous avez entendu évidemment, vous avez lu cette déclaration, cette annonce de ces nouvelles mesures de renforcement sanitaire évidemment énoncées par Édouard Philippe, et elles concernent donc ces marchés qui vont devoir fermer, les marchés de plein air. Quelle est la situation à Saint-Rémy-les-Chevreuses? Alors à Saint-Rémy-les-Chevreuses, nous avons un marché couvert qui est accessible par plusieurs portes et un marché extérieur qui rassemble que 4-5 maximum commerçants de produits alimentaires, dont un maraîcher. Je vais appeler le préfet dans les heures qui viennent, entre 10h et midi, pour obtenir l'autorisation dérogatoire de garder le marché couvert et le marché extérieur ouvert les mercredis et samedis matins. Considérant le fait que nous avons organisé déjà la semaine dernière ce marché afin qu'il soit régulé en termes de capacité maximum de personnes à l'intérieur de la halle et que les commerçants eux-mêmes soient très fermes pour faire respecter les règles des distances de sécurité sanitaire entre chaque client. Alors ça, c'est possible dans la halle, évidemment, vous en parlez, mais en ce qui concerne votre marché ouvert, comment est-ce que vous allez pouvoir justement réguler ce flux de clients pour qu'ils respectent, par exemple, les distances de sécurité ? Alors, nous avons fait des marquages au sol, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, et nous avons la présence de la police municipale sur place, les mercredis matin et samedi matin, pour faire respecter, mais d'une manière générale, les clients et les commerçants respectent, et les commerçants font respecter également ces distances de sécurité. Donc il n'y a pas de problématique particulière. Je souhaite surtout que ce marché puisse continuer parce qu'il permet de servir et de nourrir, pour le coup, un certain nombre d'administrés, mais aussi des communes voisines et des villages autour qui ne viennent chercher leurs produits frais que sur ce marché de Saint-Rémy-les-Chevreuses qui est très réputé dans la région. Également pour les commerçants, parce qu'il faut que nos producteurs et nos commerçants puissent continuer à travailler, même si c'est un minima, mais qu'ils puissent continuer leur activité. Je pense que c'est essentiel. Et puis il y a aussi un aspect de pouvoir consommer aussi des produits frais. Il faut quand même faire remarquer que sur un marché comme celui de Saint-Rémy, ce n'est pas le client qui se sert, c'est le commerçant qui le sert. Donc les produits, contrairement à ce qui pourrait se produire dans un rayon de grande surface, ne sont pas touchés ou manipulés par un grand nombre de personnes. Voilà tout ce que nous mettons en place. J'ai mobilisé mes adjoints pour faire réguler les entrées et sorties du marché de manière à ce que tout soit bien respecté. Voilà. Tous les agents donc de Saint-Rémy-les-Chevreuses qui sont mobilisés. Merci beaucoup. J'ai tous les agents municipaux qui sont donc mis à contribution à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Merci Dominique Bavoil de vous être exprimé sur le plateau de Bonjour Paris pour nous expliquer la situation sur les marchés de votre commune. Plus de marchés donc. Édouard Philippe a également annoncé que les activités sportives seraient plus strictement encadrées. Il ne sera désormais plus possible de sortir ou de faire son sport, de promener ses enfants que dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi. Il faudra alors être seul et ce pour une durée maximum d'une heure. Conséquence, il vous faudra bien préciser sur cette fameuse attestation de déplacement, non seulement la date de votre sortie, c'était déjà le cas, mais aussi son heure. Ces nouvelles restrictions, elles concernent par exemple le jogging, cher au cœur de nombreux franciliens, ces joggeurs justement qui sont mitigés. On allait leur poser la question. Il faut sortir tout ça aussi, ça fait du bien. On peut pas continuer à... Enfin, faut vivre, quoi. Moi j'y vais à 7h du matin, il n'y a personne. Donc je pense que aussi les Parisiens ils peuvent s'organiser pour y aller quand il n'y a pas trop de monde. Moi s'il y a du monde, je le vois de chez moi. S'il y a du monde, je sors pas. Faut faire un peu intelligent. On dit qu'il faut 15 minutes de contact avec quelqu'un de contaminé. Or là c'est quelques millièmes de seconde. Donc
je comprends pas la pertinence en fait. Mais là, du coup, Edouard Philippe, je trouve que c'est très bien parce que ça va permettre de réguler les choses. Et ce n'est pas une surprise. Dans ces conditions, la durée même de la mesure de confinement va devoir être rallongée. Alors, pas de date précise encore annoncée par Edouard Philippe, mais tout de même quelques indices. Écoutez le Premier ministre à ce sujet. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de Français aimeraient pouvoir retrouver le temps d'avant, le temps normal, mais il n'est pas pour demain. Et on sent bien que les mesures de confinement que nous avons prises et que nous allons encore durcir au sens où nous allons les préciser et veiller à ce qu'elles soient plus strictement observées, que ce temps du confinement est encore le nôtre et qu'il peut durer encore quelques semaines. Le coronavirus qui contraint les Parisiens et les Franciliens à rester chez eux et cette triste conséquence, elle est redoutée par certains, que ce contexte ne favorise les violences conjugales ou les violences sur les enfants. Rodrigo Arenas, par exemple, le coprésident de la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves, a affirmé dimanche avoir, je cite, énormément de remontées de violences conjugales depuis le début de ce confinement. En cause, selon lui, notamment la promiscuité. Certaines anciennes victimes, d'ailleurs, se sont exprimées à ce sujet, vous l'avez vu, hein, sur BFM Paris. Évidemment, on en parle aujourd'hui en lien vidéo avec notre invitée Caroline Dehas. Bonjour, merci d'être sur notre plateau aujourd'hui par vidéo. Vous êtes militante féministe et fondatrice d'EGAE. Vous aussi, vous tirez la sonnette d'alarme. Oui, bonjour. On estime qu'en France, il y a 200 000 femmes qui sont victimes de violences au sein du couple. Ça veut dire 200 000 femmes qui potentiellement sont enfermées avec un homme violent. Et ça a des conséquences multiples parce qu'elles sont résultat plus isolées. C'est plus difficile dans la période d'appeler la police ou en tout cas de faire se déplacer la police en cas d'urgence. Et donc on a un certain nombre de difficultés à rentrer en contact avec elles et à assurer leur sécurité. Alors justement, quelle est la situation? Est-ce que malgré tout, vous avez des remontées de certaines violences qui ont déjà eu lieu dans ce contexte de confinement? Oui, alors les premiers jours, on n'en avait pas beaucoup parce que je pense que tout le monde était un peu sidéré par la situation. Et là, ça commence à arriver un certain nombre dans les réseaux, en fait, de femmes qui se retrouvent coincées, qui ne savent pas comment faire pour partir. Et donc, avec le collectif Nous Toutes, on le répète, il est déconseillé de sortir pendant une période de confinement. Il n'est pas interdit de fuir si nous sommes en danger. Si jamais vous entendez des bruits autour de chez vous, chez des voisins ou des voisines, vous pouvez appeler le numéro d'urgence, le 17, la police, ou appeler le 3919 pendant la journée pour avoir des conseils. Alors le 3919 qui déjà eh bien, est mis à rude épreuve également, puisque le personnel qui répond au téléphone est moins présent, forcément confiné qu'il est aussi, comme le reste de la population, par le coronavirus. On a aussi entendu parler de certaines fermetures de postes de police, notamment dans les Yvelines. Est-ce que vous avez peur que cette situation eh bien, ne rajoute des difficultés à ce qui se passe aujourd'hui? En fait, dans toutes les périodes de crise, il y a une augmentation des violences. Et quand la crise, elle a comme conséquence un confinement, c'est évident que les violences vont augmenter. L'objectif, là, c'est de faire en sorte de prévenir les violences et de protéger les femmes victimes. Et pour ça, il y a par exemple le gouvernement espagnol qui a mis en place un plan d'urgence coronavirus et violences avec un renforcement des dispositifs existants et la création de nouveaux dispositifs d'alerte. Par exemple, un numéro de téléphone sur lequel les femmes peuvent envoyer un SMS et qui permet de les géolocaliser immédiatement par les forces de l'ordre. Ce qu'on observe en France, c'est que le numéro de téléphone de lutte contre les violences, il a été réduit. Il ouvrait auparavant jusqu'à 22h et maintenant c'est jusqu'à 18h. Et on n'a pas eu de la part du ministère de l'Intérieur des consignes claires à l'ensemble des commissariats et des gendarmeries pour prendre en charge de manière efficace les femmes victimes de violences qui pouvaient appeler la police. Et donc aujourd'hui, on est dans un dispositif qui n'est pas réellement traité. Et le risque, c'est évidemment qu'il y ait des violences supplémentaires qui augmentent en nombre, mais qui augmentent aussi en intensité. Qu'on passe par exemple de violences psychologiques à des violences physiques ou sexuelles, voire même qu'on observe une augmentation des féminicides. Caroline Dehas, dernière question très brièvement. Vous avez mis en ligne une pétition adressée au président de la République. En quoi consiste-t-elle ? L'objectif, c'est de demander qu'on duplique en France le plan d'action espagnol avec un renforcement des dispositifs existants et avec la création de dispositifs d'alerte. La priorité, ça devrait être de lancer une grande campagne d'information à la fois pour les femmes victimes, mais aussi pour toutes celles et ceux qui les entourent, en leur donnant des trucs pour aider les femmes de notre entourage qui sont potentiellement exposées à des violences.
Caroline Daas, merci beaucoup d'être intervenue sur le plateau de Bonjour merci. Paris. Je le rappelle, vous êtes militante féministe et fondatrice d'EGAE. Les conséquences économiques à présent du coronavirus, elles sont bien réelles à Paris, en Ile-de-France, région la plus touchée par le coronavirus sur le territoire national. Et ces nombreuses entreprises franciliennes à l'arrêt. D'autres peuvent toujours, en revanche, continuer leur activité. C'est le cas notamment de certains artisans, par exemple les plombiers, les électriciens, les garagistes. Mais ils sont désormais confrontés à un autre problème, les pièces détachées qui manquent faute de fournisseurs. On voit cela avec Dame Agassa, Alexia Forichère et Tiffaine Pocolandel. Nous exploitons notre atelier avec deux personnes. C'est un atelier qui est habituellement exploité avec 10 techniciens qu'on a dû mettre au chômage technique de par le manque d'activité. Ce garage était fermé depuis une semaine, mais le gérant a été contraint de reprendre partiellement son activité ce lundi, après une discussion avec son banquier. L'expert comptable nous a avisé dès vendredi du risque de non prise en charge du chômage partiel. Si le chômage partiel n'est pas pris en charge, ça peut mettre en péril la société. En temps normal, ce garagiste traite une quinzaine de véhicules par jour. Mais aujourd'hui, une seule voiture pourra être rendue aux clients. Car désormais, ce qui gêne Stéphane, c'est le manque de pièces détachées. J'ai 80% de mes fournisseurs qui sont fermés. Les autres ne veulent plus se déplacer pour les livraisons. Donc c'est à nous de nous déplacer pour aller chercher le matériel. Techniquement, c'est pas viable en fait. On ne peut pas continuer une activité sans fournisseurs, sans clients. On va finir d'épuiser les quelques véhicules qu'on a encore en stock et on va devoir stopper l'activité. Avec une équipe réduite et des horaires de travail adaptés, il se donne encore 48 heures avant d'y voir plus clair et espère une réaction du gouvernement. Les conséquences également sur la construction dans notre région. Écoutez, Jean-Luc Tuffier, c'est le président de la Fédération française du bâtiment du Grand Paris avec le BTP. Il s'exprime au sujet de l'arrêt de certains chantiers. Je leur conseille, une fois de plus, comme on l'avait fait déjà la semaine dernière, de ne pas reprendre leurs chantiers. La semaine dernière, on leur avait conseillé de ne pas reprendre, d'arrêter les chantiers, ce qu'ils l'ont fait à 90% en Ile-de-France, pour trois raisons. La première, c'est parce que c'est civique, parce que quand il y a une crise et que le président de la République nous dit que c'est la guerre et qu'il faut rester chez vous, il paraît logique qu'on reste chez nous. La deuxième, c'est parce qu'effectivement, nos chantiers ne sont pas vitaux à la nation et donc on ne rentre pas dans les entreprises qui sont vitales, en tout cas pour la partie chantier, pas pour la partie dépannage. Et la troisième raison, parce que nous ne sommes pas en capacité de pouvoir garantir à nos salariés la sécurité et donc être sûr qu'ils n'attraperont pas ce fameux virus. Notre mobilité à Paris, en Ile-de-France, pendant cette période un petit peu particulière, cette période sanitaire, voici les conditions de trafic RATP annoncées pour ce mardi 24 mars. Notez bien, par exemple, sur les lignes de RER, seuls 30% des rames sont annoncées, 50% sur le RER B. Du côté du métro, 30% des rames roulent en moyenne, hein, avec certaines stations fermées. Soyez prudents, en tout cas un peu plus de rames disponible sur la ligne 1, 50% ou encore sur la ligne 14, 40%. Ce sont des lignes automatiques. Forcément, du côté du bus, vous voyez, ça roule à 40% et 50% des tramways sont en service ce mardi. Tout de suite, on fait le point sur vos questions, évidemment, au sujet du coronavirus à Paris et en Ile-de-France. C'est l'objet du Paris Scan de Marguerite Dumont. Première question, Marguerite, est-ce que le virus reste dans les cheveux ou encore dans la barbe ? Alors en effet, hein, Patrick Pelou, l'urgentiste Patrick Pelou, a signifié qu'il fallait se raser la barbe ou la moustache, que c'était un des gestes barrières. En effet, hein, forcément, barbe et moustache sont en première ligne lorsqu'il y a des postillons, un éternuement. On sait que hein, le virus se transmet par ces gouttelettes, donc ça peut être en effet une bonne idée de se raser la barbe pour se protéger. Ça permet justement d'enlever tout ce risque, hein, sur cette barbe qui est vraiment en première ligne. Concernant les cheveux, c'est un peu autre chose. Déjà, on évite de se toucher tout le temps les cheveux, même si pour certaines, c'est un réflexe. Mais on évite, surtout quand on est allé dans une zone potentiellement contaminée. Après, évidemment, on se lave les cheveux, surtout si l'on revient de cette zone contaminée. Et puis, de toute façon, on se lave régulièrement les cheveux, ça ne peut pas faire de mal. Et puis enfin, pour ceux ou celles qui ont les cheveux
cheveux longs, eh bien, on se les attache. Ça permet également de limiter justement les postillons sur votre chevelure. C'est bien noté, je vais essayer d'éviter de postillonner dans mes cheveux et de trop les tripoter. Voilà, on fait un petit effort, Fanny. Alors, on sait qu'il faut beaucoup se laver les mains, on a parlé hier de laver ses légumes, on lave tous les cheveux également, tu viens de le dire. Et qu'en est-il des vêtements, par exemple? Quand on porte des vêtements, qu'on a pris les transports en commun, qu'on rentre chez soi, est-ce qu'il faut les laver plus souvent que d'habitude? Alors, je pense qu'il y a différentes étapes. Tout d'abord, on part du principe qu'en effet, le virus peut vivre plusieurs heures sur les vêtements. Déjà, notre premier conseil, c'est d'avoir une tenue extérieure et une tenue intérieure. Votre tenue extérieure, vous la mettez quand vous allez faire vos courses, une petite sortie pour vous dégourdir les jambes ou si vous allez travailler. Et quand vous revenez, vous l'enlevez complètement de votre entrée et vous mettez votre tenue intérieure. On vous conseille de faire un petit sas de décontamination avant de rentrer chez vous. Donc, je pense que l'entrée, c'est le meilleur endroit. Vous laissez vos chaussures, voilà, et vos vêtements reposés ici. Si vous revenez d'une zone potentiellement contaminée, alors évidemment le virus peut être partout, mais par exemple si vous allez juste faire une petite promenade dans la rue, c'est pas forcément la peine de laver son linge. Par contre, si vous êtes allé dans les transports, c'est peut-être plus utile, et dans ce cas-là, on le lave à 60 degrés, c'est la température à laquelle le virus va être éliminé. Et puis troisième question pour toi, Marguerite, dans ces conditions où on reste enfermé chez soi, de confinement, parfois ça pèse un peu sur le moral. Est-ce qu'on peut se faire accompagner psychologiquement? Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, car il y a beaucoup de peur, de stress, d'angoisse liées au coronavirus, au confinement, et il ne faut pas hésiter à en parler. C'est déjà la première étape, ne pas rester seul avec ses angoisses. Alors je vous conseille de contacter votre médecin généraliste, vos mairies, vos préfectures, qui pourront déjà vous indiquer des cellules d'aide psychologique dans votre département, dans votre commune, et puis votre médecin généraliste, il pourra peut-être aussi vous conseiller un professionnel que vous pourrez téléconsulter, un psychologue, un psychanalyste. Et sachez que certains psychologues ont développé des cellules d'aide gratuites. Donc ça vaut le coup de se renseigner. Alors pour l'instant, il n'y a pas de numéro national d'aide psychologique. Mais peut-être que ça va avancer. Par exemple, le président des Hauts-de-France, Xavier Bartrand, a proposé qu'on prenne le numéro 19 pour construire une cellule d'écoute à l'écoute des Français pour qu'ils puissent s'exprimer en ces temps difficiles. Et sachez, dernière petite info, pour les personnes les plus vulnérables, oui, il y a des dispositions. Alors par exemple, la Croix-Rouge française a décidé de mettre en place un numéro, alors pour venir en aide aux personnes vulnérables et isolées, mais aussi juste pour les écouter. Voilà, c'est les 09 70 28 30 00. N'hésitez pas si vous êtes dans cette situation. Vos questions, les réponses de Marguerite Dumont. Merci Marguerite. Vous aussi témoignez de votre expérience, de votre confinement dans la région par téléphone. La ligne de BFM Paris, c'est le 06 13 02 46 93. Vous pouvez également nous contacter sur les réseaux sociaux avec le hashtag Bonjour Paris ou via notre page Bonjour Paris BFM sur Twitter. Info de dernière minute, on vient de l'apprendre, cette évacuation policière d'un camp de migrants à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis dans la matinée. Plusieurs centaines de personnes étaient concernées par cette opération annoncée déjà il y a quelques jours par le préfet de la région Île-de-France, Michel Cadot. Une opération menée dans le cadre de la lutte évidemment contre la propagation du coronavirus. Les évacués ont commencé à monter à bord des bus à 7h15 à peu près pour être emmenés en direction de plusieurs gymnases et hôtels de Paris et de la région, en Seine-Saint-Denis notamment. Dans un instant, la suite de l'actualité à Paris et en Ile-de-France. Mais avant cela, notre point météo pour ce mardi avec Christophe Persson. Comme d'habitude, comme hier en tout cas, du soleil. Mais attention aussi à cette fraîcheur. Captain vous présente la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. À l'image d'hier, on a un ciel totalement dégagé sur la région, mais avec des températures un petit peu faibles. Ce matin, on a même des gelées sur l'ensemble de la région, sauf pour Paris intramuros, où là, la température reste positive, 2 degrés. On a 0 degré pour Mantes, moins 1 pour Étampes et pour Fontainebleau. Et cet après-midi, le ciel restera totalement dégagé sur l'ensemble de la région, avec des températures un tout petit peu en baisse par rapport à hier, avec entre 11 et 13 degrés. 11 pour Provins, 12 pour la capitale et pour Étampes. 13 degrés pour Mantes-la-Jolie. Aujourd'hui, en ce mardi 24 mars, nous fêtons les Catherines. Nous gagnons tout de même 4 minutes de soleil. Et ce soir, le soleil se couchera à 19h10 pour Paris.
Captain vous a présenté la météo. Sous le soleil ou sous la pluie, faites le meilleur choix de VTC pour votre trajet. Captain, peut-être le meilleur choix de votre journée. Chaque jour, BFM Paris vous accompagne en cette période assez difficile, évidemment, face au coronavirus. On vous propose des bons plans pour traverser cette période de confinement, notamment si c'est votre cas. Et on retrouve ce matin Jenna Tsimba. Vous la connaissez bien habituellement, notre chroniqueuse est ici sur le plateau. Eh bien, elle a troqué son habituel Pariscan pour ses fourneaux. Elle aussi, elle se met à la cuisine, des petits plats confinés donc par Jenna, avec ce matin une succulente recette de choux aux accents méditerranéens. Regardez. Bonjour Paris, 8e jour de confinement et vous aussi, vous avez déjà pris 3 kilos. Venez, on fait une pause, on arrête, on essaie de manger sainement. Je vous ai préparé une recette méditerranéenne, pleine de goût et de saveur. On va faire un chou rôti avec une mousse de betterave et de feta. Allez, c'est parti, je vous montre. Avant de commencer, on se lave bien les mains, on respecte les gestes barrières. Pour cette recette, vous avez besoin d'un chou-fleur de taille moyenne, bien fermé. Je l'ai acheté au marché avec mon attestation, bien sûr. Du gros sel, un mélange d'épices comme du poivre, du cumin et du paprika et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après l'avoir bien rincé et enlevé quelques feuilles de mon chou, je mélange les épices et l'huile d'olive. Pour plus de moelleux, mon chou a plongé dans une casserole d'eau salée bien bouillante pendant 10 à 15 minutes. Un petit rafraîchissement dans la passoire et je le badigeonne délicatement dans mon mélange d'huile d'olive et d'épices avec une pincée de sel. Direction le four, je laisse cuire pendant 10 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat. Pas mal, hein? Normalement, vous devez avoir un chou croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Perso, je rajoute encore une touche d'huile d'olive et de sel. Dans du papier cuisson un peu froissé pour le style, on peut le manger avec les mains comme des chips. Sinon, on le met dans une assiette simple et efficace pour épater vos confinés. On passe à la mousse de betterave à la feta. Il vous faut des betteraves déjà cuites. On trouve ça facilement dans les supermarchés. 100 g de feta, 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol et de vinaigre de framboise, de fruits rouges ou de vin et des noisettes pour la déco. Dans le mixeur, on mélange le tout, betterave, feta et le reste des ingrédients. Un peu de sel. J'ai rajouté un soupçon d'épices orientales pour plus de saveur. On mixe pendant quelques minutes pour avoir une mousse colorée et sans grumeaux. Laissez reposer 1 à 2 heures dans le frigo. Et voilà, effet garanti. C'est bon, c'est sain. Pas mal du tout ce chou-fleur rôti accompagné de cette mousse de betterave feta avec des noisettes. Si vous ne kiffez pas, je vous rembourse. Bon appétit! Voilà, une bonne idée de repas évidemment pour ce midi. Merci beaucoup Jenna Tsimba. Restez avec nous. Bonjour Paris revient dans quelques toutes petites minutes. Nous reviendrons notamment sur les changements concrets sur votre ville en Île-de-France à la suite de ce durcissement du confinement annoncé donc hier soir par le Premier ministre. À tout de suite. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Info, trafic, météo, sport, culture, sur tous vos écrans, au plus près de vous. Vous regardez BFM Paris.